Chris, qui c'est que voilà avec sa bière canadienne? Bonsoir Paris. Alors attendez, là, putain, le changement de scène va être compliqué. Attention, facecam. Et voilà, je suis dégueulasse. J'adore ça. Et j'ai grand soif. Elle pète la tête ou pas celle-là? You can, ah oui, attends. Blablabla. Bon, est-ce que tu es du genre à péter la tête ou pas? Il est où ton degré? De aussi fort qu'une Heineken, et on sait à quel point les Heineken sont fortes. Bon, alors, oui, oui, non, mais j'aime beaucoup les musiques des Sims, mais j'avoue que là ça commence à faire beaucoup. Bon. Que dire? Je suis fatigué. Bon, déjà, on va commencer par ça. Oui, ça me paraît pas mal. Déjà, je suis crevé. Donc,
On sait déjà que ça risque de tourner un peu en rond sur les phases Nico, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais bon, plus que d'hab. Et c'est pas du tout au point ce qu'il nous regarde là. Oh, hey. Je sais pas si c'est bien mis au point, j'arrive pas à voir vu que j'ai un décalage de ouf là. Celui-là, on va y arriver. Voilà. T'as une caméra à 80 balles, là ça vaut le coup. Hein. Alors. Du coup, bon je ferme ça, j'en ai plus besoin parce que j'ai le chat ouvert à côté. Du coup, plusieurs choses, nous allons reprendre forcément les chevaliers de Baphomet. Que je n'ai pas dû toucher depuis le mois dernier, mais entre-temps j'ai été malade comme un chien. Je pense qu'on y est tous passés. Hein. Les fêtes c'était sympa. Et voilà. Et puis ouais, bah, comme un chien déprimé tout ça. Donc c'était pas vraiment le mood pour faire des lives si vous voulez. Donc on va s'y remettre tranquillou. J'ai pas de placement de produit, mais je monte la marque quand même parce que bon, elle est pas mauvaise, elle est juste très légère. Donc, et n'ayez pas ma descente, ce sera bon pour vous. Alors, on a même, du coup, entre-temps, en un mois de temps, on a quand même changé de GOG. On est passé sur GOG Galaxy 2.0. D'ailleurs, il me dit que j'ai des plateformes à connecter. Quelle plateforme tu as ajouté, petit? Ah, Bethesda s'est déconnecté. Humble Bundle n'a pas marché. C'est merveilleux tout ça. Ah, si, mais Gustami. Ah, c'est très pratique. Alors, le nouveau l'Epic Game Store ne s'est pas encore connecté, c'est encore déconnecté. Putain, vraiment de la merde quand même, des fois. L'Epic Game Store cassera les couilles, mais sur tout, tout. Bref, donc GOG 2.0, t'es vachement bien. Hein. Vraiment très cool. Ça permet de. Bah, déjà, c'est GOG. Alors, déjà de base, GOG, c'est cool. Et en dehors de ça, surtout, vous pouvez constater aisément. Enfin, là, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, je vais vous le dire. Vous pouvez vous mettre plein de plateformes différentes. C'est-à-dire que là, je me suis rajouté mon Steam, bon, c'est la base, quoi. Je me suis aussi rajouté Origin, Uplay, Bethesda, mon compte PlayStation aussi. Ça sert à rien sur un PC, mais on peut le faire, alors pourquoi pas. Je me suis rajouté aussi mon compte Guild Wars 2, parce qu'en période, il y a moyen, du coup, de lier le compte avec. Des plateformes externes, le compte Humble Bundle, ça peut servir à ceux qui ont beaucoup de jeux sur Humble Bundle qui sont téléchargeables uniquement par uniquement par le bundle du coup, enfin uniquement sur le site. Ouais, j'ai quoi? J'ai Elder Scrolls Online, Secret World. Alors que je crois que Secret World, c'est moi qui l'ai rajouté à la mano. Hein. C'est pas un truc qu'on peut mettre comme ça. C'est juste que j'ai lié le launcher au truc. Overwatch, pareil. Par contre, Path of Exile, lui, on a vraiment un truc pour le lien. C'est-à-dire qu'il y a un lien, et comme moi, en plus, j'utilise le truc sur Steam, un enfin, Path of Exile, j'utilise sur Steam, du coup, ça se lit très facilement, vu que c'est sur Steam et que je lis déjà Steam, ça, donc ça se fait tout seul. Donc, très cool. J'espère qu'ils vont faire aussi. Comment ça s'appelle? J'espère qu'on aura le droit aussi à notre petit battle.net, ce serait pas mal. Ce qui serait cool aussi, c'est qu'on puisse lier notre compte itch.io, parce que j'ai des jeux dessus par exemple, ou enfin ce genre de trucs quoi. Enfin, de base, l'idée de GOG 2 est vraiment très cool et franchement, ça marche plutôt pas mal. Après, le problème, c'est que ça vient sûrement des autres plateformes qui bloquent, à mon avis. Notamment, du coup, l'Epic Game Store qui casse les couilles un jour sur deux. Pour connecter et tout, alors que le code je le connais vraiment, mais jamais quoi, c'est super chiant. J'ai un code à rallonge avec des chiffres, des lettres, des trucs comme ça générés aléatoirement, c'est super chiant à mettre. Mais du coup, voilà. Bon, bah voilà. Bref, je vous ai fait un petit peu le. J'ai un peu sucé GOG, mais en même temps, il le mérite. Voilà. Polissez-leur le gland aussi, s'il vous plaît. Bref, on est parti pour jouer avec. Ça va gueuler. J'avais oublié que ça gueulait Revolution Software.
Du coup, je sais plus où on était. Je crois qu'on était juste avant la Syrie de mémoire. Ah putain, ah, bah quoi? Pardon? Ah oui, si. Bah non, mais si, Nicole l'avait déjà chopé. Je m'en souviens. Ah, on avait rien à faire. C'est vrai qu'il jouait tout seul le jeu. Qu'est-ce que... Qui est là? Tirons-nous d'ici. Le jeu jouait tout seul, j'avais oublié. Avec Nico Catwoman. Nikatwoman, on va l'appeler. Et quand j'ai repris mes esprits, j'étais au poste de police. Heureusement, j'ai réussi à convaincre Rosso que j'étais innocent. Pauvre Georges. Quel désastre! J'ai tout fichu en l'air. Je ne trouve pas. T'as bien embrouillé ces deux escrocs. Ouais, mais le tueur s'est sauvé avec le trépied. Je ne crois pas. Il n'est pas le seul à pouvoir porter un déguisement. Tu veux dire que c'est toi qui as volé le trépied? Ouais, Bon c'est mieux sang, comme ça, quand Nico, même. j'aurais pu me faire tirer dessus. Tes deux crétins étaient tout juste bons à se mettre une balle dans le pied. J'aurais préféré que tu me dises ton plan. On est censé faire équipe. Et comment se fait-il que tu sois habillée en ombre chinoise? Oh, ne fais pas ta mauvaise tête, Georgie. Ah, oh, zut. Et ne m'appelle pas Georgie. Je pensais vraiment que ça te ferait plaisir. Après tout, on a le trépied. Alors, bon, comment vous dire? Ça me fait un peu chier de reprendre un truc que j'avais déjà fait. Faut croire que j'ai oublié de sauvegarder la dernière fois. Tant j'ai souvenir d'avoir sauvegardé, donc je sais pas. Le son est vachement fort. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'éclate les tympans. Peut-être qu'il faudrait que je baisse un coup sur le casque, je sais pas. Parce que de base, je le mets à fond pour la simple raison que du coup, c'est toujours constant. C'est pas genre, j'ai mis un petit coup comme ça. Donc, j'ai peut-être mis un peu trop fort, du coup, quoi. Parce que lui, il a pas l'air de dire que voilà, l'audio du bureau du jeu, c'est pas fort, quoi. Peut-être même un peu bas, d'ailleurs. Je vais te pousser un peu, du coup, histoire de... Bref, alors. Bon, vous me direz, ceux qui sont là et qui veulent me dire. Dites-le moi, et puis les autres, voilà. Alors, on va y voir ça. Blablabla, le joyau de Lochmarne. On va essayer de le mettre dessus. Il ne s'est rien passé? Non? Le joyau s'encastre parfaitement, mais qu'est-ce que ça prouve? Peut-être que le trépied doit être placé à un endroit précis. Mais il n'y a rien dans le manuscrit qui l'indique, n'est-ce pas? Comme ça, je récupère le trépied au passage, on n'est pas trop mal. Non. Je lui rends pas le trépied en plus. Pas question. Alors, Lobino, Oh, à qu'est-ce qu'il avait propos, dit? j'ai une visite d'André Lobino. Ah oui? J'espère que tu ne m'en veux pas de lui avoir donné ton adresse. Pas du tout, j'étais contente de le revoir. Il a sauté au plafond quand je lui ai montré le manuscrit. Ce n'est pas souvent qu'il s'excite comme ça. Il a fait un dessin des armoiries du chevalier pour Donc, l'emmener au toutes les musée. petites Je phrases crois de qu'il a pu Georges. identifier la famille qui possède ces armoiries. J'espère que c'est le cas. Ah oui, autre chose, je suis en train d'y penser là. Attendez, on va refaire un petit changement vite fait. Mes vacances arrivent bientôt, ce qui fait que je vais avoir du temps pour faire des lives, ça va être cool. Mais ce qui va être plus cool, c'est que j'ai une petite idée. Vous savez, j'adore Harry Potter. Je suis pas le seul, je sais qu'il y a 50 milliards de let's play d'Harry Potter, rien que chez Benzaï, il y en a pour 20 heures, 24 heures pour son marathon Harry Potter 1 à 3. Mais j'ai une autre idée en tête. Vous savez que j'aime lire. Bon bah voilà quoi. Simplement. Faudra juste que j'ai envie de lire les bouquins et de faire les jeux après. C'est un truc que j'ai en tête depuis quelques temps et c'était pas à la base c'était pas du tout pour Harry Potter. Mais bah, vu que j'ai les bouquins derrière, autant le faire quoi. Bref, alors, j'ai fait quoi de ma fenêtre? Attendez, voilà, non, c'est la misère quand même. Bref, putain, par contre, le seul truc, c'est que je vais en chier pour streamer du Harry Potter PC en fenêtré, ça va être la merde. Quoique, je sais plus si c'est un mode fenêtré de base. Ouais, je vois comment faire, à mon avis, vu que Benzaï, il l'a fait 50 milliards de fois et qu'il est assez suivi, je pense que doit y avoir des solutions qui ont popé partout sur Internet pour pouvoir le filmer. Bref, va y voir ce qu'il m'a Bon, écrit. revenons à... Tac, tac, Il tac. y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Bon. Et André Lobino, il a rien à dire, quoi. C'est terrible. Regarde! Oh, putain, c'est sérieux. Il y a... Mais...
le parle. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Bref, allez, hop, on se casse. Je ferais bien de continuer. Oui, continuons la quête, Georgie. Alors, où est-ce que je dois aller? Il y a mon faucon. Alors, il me semble que c'est là qu'on doit aller. Est-ce que je peux aller au musée Kryn? Parce que quand même, on vient de faire un casse. Hein. Littéralement, je veux dire. Excusez-moi. Oui, monsieur? Vous reconnaissez ce trépied? Ça me rappelle quelque chose. Je n'en doute pas. Il ressemble vraiment à celui que nous avions ici, au musée. C'est ce que je me disais. Mais ce n'est qu'une piètre imitation. C'est vrai. Mais où ce mec, putain? Vous vous y connaissez? Pas moi, monsieur. Je ne suis pas un... C'est l'uniforme. Et il vous... Il me demande... Il pense que je suis... Alors qu'en fait, vous n'y connaissez... Mais pas du... Pas... Ouais, ça on l'a déjà vu. Vous savez quelque chose au sujet des chevaliers? Absolument. L'écriteau du trépied dit... Vraiment? Il n'y est fait... Quel... Vous ne... Non, le... Il était... Il m'a... La dernière... Et si vous... C'est vrai, vous pensez... À votre... Bref... J'ai trouvé cette pierre dans... Voilà qui est intéressant. Comment avez-vous fait pour... J'étais qualifié pour... Un maintien militaire, des chaussures qui couinent et une haine irraisonnée des enfants. Putain, je pourrais presque faire gardien de musée. Merci pour votre... Alors, Lobino. Hello, André. Bonjour, Georges. Eh, je suis allé chez Nicole. Oui, elle me l'a dit. Ouah, ça, c'est un morceau, mon petit Georgie. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi excitant. J'espère que vous faites allusion au manuscrit. Non, mais oui, oui. Bien sûr. Merci. Sérieux? Que pensez-vous de ça? C'est la plus grosse pierre précieuse que j'ai jamais vue. Où l'avez-vous trouvée? C'est le coursier du professeur Pigram qui me l'a donnée. Pigram? Le professeur Nigel Pigram? Il est en Irlande à la recherche des vestiges des Templiers, non? Il l'était, mais il a disparu. Pigram a trouvé ça en creusant? Oui, dans les vestiges d'une commanderie des Templiers. Vous pensez que ça pourrait être un élément du trésor des Templiers? Ah non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas un de ces hallucinés qui affirment que l'ordre des Templiers existe toujours? Non, mais je suis ouvert à la discussion. Ah, il a des trucs à dire sur Pigram. Attends, oui. J'aimerais vous serrer la main. Pas maintenant, Georges. Putain, je sais plus si on pouvait le faire sur sa gueule. Le type sur la... Non. Eh bien, tant mieux. Il te dit encore rien pour l'instant. Parce que normalement, tu vas le rencontrer de mémoire. Toi. Tu... Non, attends. Non. Que pensez-vous du manuscrit? Il date de l'époque des croisades. C'est ce qu'on pensait à cause du sceau des Templiers. C'est une histoire à base d'images, un peu comme une bande dessinée. Quelle histoire raconte le manuscrit? Je ne sais pas. Elle a probablement été fabriquée pour être vendue aux touristes. Aux touristes? Oui, des milliers. Tous les pèlerins en route pour Jérusalem. L'économie du tourisme ne date pas d'hier, vous savez? Ça a dû commencer lorsque Joshua a vendu des briques souvenirs du mur de Jéricho. Attendez, c'est la brique du mur. Putain, on sent que j'ai claqué, je sais même plus parler, quoi. Bref. Y a-t-il des personnes dans la salle? Non, on peut tout avoir. Alors, vous avez pu transcrire. Il y a très peu de choses dont je suis. La mise à mort du taureau fait peut-être référence à Mithra. Qui est-ce? Un dieu perse, presque aussi célèbre que le Christ à une époque. La seule chose dont je suis certain, c'est le chevalier. Il est espagnol. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le texte sur le bouclier fait référence à l'Ave Maria. Aucun chevalier du nord de l'Europe ne portait des armoiries de ce genre. Ah, oh, faut bien que le bidot serve à quelque chose à un moment donné. Ce serait juste bien qu'il me dise, va en Syrie. Pourriez-vous identifier les armoiries du chevalier? Et si je crois qu'on va d'abord en Espagne. Il fait partie de la famille des Vasconcellos, originaire de Costa Calida. Ils étaient célèbres? Non, on ne parle plus d'eux après le 15e siècle. Ah! Ils n'ont pas laissé de traces et sont probablement tous morts. Ah. Vous connaissez bien Pigram? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à une conférence. J'aurais bien aimé discuter avec lui plus longuement, mais il était pressé. C'était quand? Cet été. En juillet, je crois. Donc juste avant qu'il se lance dans ses fouilles. Pas question. Si, on lui met autour du cou et on serre très fort. Vous reconnaissez... Non. Regardez ce nez, Lobino. Il ne m'intéresse pas du tout. Que pensez-vous de ce tissu? Rien. Que pensez-vous de cet outil? Intéressant. Sur un chantier... Vraiment? Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des fouilles actuellement dans la capitale. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Alamut. C'est le village où habitait la secte des assassins. Où est-ce? Dans une région qu'on appelait la Perse.
Malheureusement, je ne suis pas très calé en géographie moderne. Une de mes cartes les plus récentes parle de l'Amérique comme d'une colonie. Que pensez-vous? Rien. Ok, bon, on a fait le tour. Merci pour... Y a pas de quoi. L'Obino est toujours aussi intéressant. C'est hallucinant. Allez, on se casse. Tac, on est parti donc à Montfaucon. Montfaucon avec un CCDI, s'il vous plaît. Parce que c'est Montfaucon, mais on va dire Montfaucon parce que c'est plus joli. Alors, musique rune, on s'en fout de poser police, ça sert à rien. La rue Jarry, on y va pour rien aussi. Parce qu'on n'a plus rien dans la version remaster qui soit rigolote. Hein, merci les téléphones portables qui n'avaient pas de place à l'époque. Le café de la chandelle verte, bah, il n'y a aucune raison d'y aller. Je pense qu'on peut toujours y aller alors que là, on peut plus y aller, quoi. Genre, littéralement, ici, on avait le truc de déguisement, là, et on peut plus y retourner. Alors qu'avant, bah, on n'était pas bloqué. Enfin, on savait que ça servait à rien d'y retourner, le chandelle verte. On veut juste le mec qui répare, quoi. C'est tout. Ou le truc déjà réparé, je sais plus. Enfin, bref, allons dans cet arrondissement de Paris. Je suis aussi parisien que je suis... Enfin, bref. J'ai lu un article sur les professions relaxantes un jour. Le métier de policier n'y figurait pas. Apparemment, ce type n'avait pas lu le même article. Excusez-moi, monsieur l'agent. Oh, la tronche qu'ils ont fait. Putain, ça ressemble... Est-ce que ça ressemble... Attendez, vraiment. Est-ce que là, ça ressemble à là? C'est pareil, est-ce que Georges ressemble à Georges? C'est... Ah, il y a un vrai problème de DA, putain. Que savez-vous sur les Templiers? Seulement qu'ils ont été excommuniés en 1312 et qu'ils ont été pendus par douzaines dans le square où nous sommes. Des dons, on en apprend des choses à l'école de police. Non, monsieur, je l'ai lu sur ce panneau là-bas. Merci, monsieur le policier, vous êtes... Vous ne devriez pas être en train de faire la circulation ou quelque chose de ce genre? Vous avez vu l'état du trafic parisien, non? Oui, alors? Je peux essayer de faire la circulation dans la ville la plus dangereuse après Rome, mais je peux tout aussi bien être tranquillement ici à apprécier le soleil et à siroter ce Sauvignon d'une qualité moyenne. Vous choisiriez quoi, vous? Oui, mais je ne suis pas policier, moi, et le devoir, qu'est-ce que vous en faites? Excellente question, monsieur. Vous savez ce que c'est que ça? Vous les Américains et votre amour des gâteries nasales, hein? Je lis Hollywood Woman, vous savez, je connais vos vices. Si vous sniffez ce truc, votre sinus aura l'air d'un bunker. C'est du plâtre de Paris. C'est vrai? Dieu soit loué. Vous m'avez fait peur. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais devoir arrêter quelqu'un. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça implique comme paperasse. Vraiment? Le policier type. Celui qu'on retrouve au commissariat quand on a besoin de, au hasard, mettre une main courante, porter plainte, ce genre de choses. Oui, mais est-ce que vous êtes sûr? Non, parce que ça fait des papiers à faire, le truc. Vous avez déjà vu cet homme? Non, qui est-ce? Je pense que c'est un criminel international. Oh. C'est tout ce que vous arrivez à dire, oh? Je me demandais si je devais vous dire que vous étiez un paranoïaque international. Mais ça ne me paraissait pas très poli. Ce Néo, je vous rappelle quelque chose? Ah, une prothèse nasale. Très significatif. Ah bon? Non, c'était juste une petite blague. J'ai l'impression qu'il a un peu redoublé. Je sais qu'il était un peu dans ce style-là et c'était... jouer à la zop quand même, on va pas se mentir. Mais j'ai l'impression qu'il a été un peu redoublé, ce perso. Que pensez-vous de ce mouchoir attaché de maquillage? Très intéressant. Vous voulez voir certains de mes mouchoirs? Sûrement pas. Alors rangez le vôtre, s'il vous plaît. Voudriez-vous me serrer là? Je m'arrêtais juste à temps. Électrocuter un flic n'était peut-être pas la meilleure chose à faire en ce moment. Ils auraient reconstruit la Bastille pour pouvoir m'y enfermer et jeter la clé. Putain, eh, nous sommes en 96, les gars. Je tiens à dire qu'ils ont fait un bon état de la police déjà à l'époque, quoi. Vous savez ce que c'est? C'est un outil pour accéder aux égouts. Comment ça, j'aime pas les flics? Absolument pas. Cette boîte d'allumettes vous fait penser à quoi? Le dessin évoque le Moyen-Orient. Regardez ça. Ah, vous êtes électricien. Que pensez-vous de ça? C'est un appareil pour la pression sanguine. Il doit être fort, qui veut gagner des millions quand même. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? Une copie, bien sûr.
Oui, non, c'est une vraie. Quel genre de malade irait agiter un véritable joyau de cette taille sous le nez des gens? En clair, vous dites que c'est soit une copie, soit que je suis fou. Je n'avais pas trop envie d'approfondir le sujet. Vous vous y connaissez en calcaire médiévale? Regardez-moi cette splendeur. Un trépied? Il sert à quoi? Comment, vous ne savez pas? Non, monsieur, pas plus que vous, je pense. Il a de bonnes répliques, quand même. À la prochaine. Ok, je ne bouge pas. Pour l'instant, on sent tous que tu bouges pas, mon garçon. Alors. Il y avait un attroupement de 5 badauds. C'est bizarre, mais si vous prenez les personnes les plus intelligentes du monde et que vous les mettez dans leurs habits d'été, ils ont l'air de débiles mentaux. J'aimerais savoir pourquoi. Georges, tiens un truc. Allez. Je ne voulais parler à aucun des spectateurs. Oh, bah si, moi j'aurais bien aimé. Alors. Le jongleur était doué. Pourquoi il ne mettait pas la même application à trouver un vrai boulot? Je ne savais pas. Peut-être qu'il aimait s'habiller en bouffon. Ouh là là, ça tacle un petit peu, ça sent la droite. Comment ça, j'ai dit pas de avec les balles. Ouais. Bon là, il y ressemble, j'ai rien. Je me disais que ce ne serait pas très gentil de faire frire la paume de quelqu'un qui vivait de ses mains. Ce plâtre vous... Eh bien, oubliez ma question. Vous avez déjà vu cet homme? Non. Regardez, un nez rouge. Comment disent les Amerlocs déjà? Whoopi-doo? Ce maquillage ne vous dit rien? Ça ressemble à ce que je porte. Ou du moins un autre jongleur. Ou un autre clown. Bien sûr, un autre clown aussi. L'étau se resserrait sur le meurtrier. Ceci est un outil pour les égouts. Je n'en veux pas, merci. Ce n'est pas à vendre, je voulais juste votre opinion. Ce n'est pas franchement mon rayon. Ces allumettes vous font penser à quoi? Vous fumez? Non. Dans ce cas, j'en pense rien. Se laisser passer vous dit quelque chose? Vous travaillez dans un labo? Non, perdu. Vous volez les passes dans les labos. Mais non, enfin pas en permanence, c'était un cas spécial. Ouvrez grand vos yeux. Ah! Le ouvrez grand vos yeux, c'est quand... Ah, putain! Alors, il faut savoir qu'il faut qu'on garde une balle pour je ne sais plus quelle raison, je crois que c'est pour la série justement. Et ça, on va le faire après. Mais ce qui se passe, c'est que là, il vient d'utiliser, pour finir, une phrase que je vais donner du coup, en prenant les balles. Parce que Georges va essayer de se la péter un peu en faisant de la merde. Et c'est la phrase qui sort, ça, normalement. C'est ouvrez grand vos yeux, c'est ce qu'il dit, quand il prend les balles du jongleur. Que pensez-vous de ceci? C'est un instrument médical, non? Ouvrez grand vos yeux. Incroyable! C'est un vrai? Je crois. Certains pensent que les plus beaux joyaux sont maudits. Oh, c'est des âneries. Encore qu'en y réfléchissant, les deux personnes qui l'ont eu avant moi ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Et le type qui devait le récupérer s'est fait tirer dessus puis a été assassiné dans son lit d'hôpital. Vous le voulez? Non, merci bien. J'ai un trépied médiéval. Ouais, et mon oncle a des hémorroïdes. Nous voilà bien avancés. Allez, les Parisiens. Que savez-vous sur les chevaliers du temple? Les Templiers, hein? Leur dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif sur l'île Saint-Louis en 1314. Dites donc, vous êtes cultivé pour un jongleur? Non, c'est ce que je lis sur le panneau là-bas. Merci, merci. Où avez-vous appris à être juggler? Juggler? Qu'est-ce que ça veut dire, juggler? Ouais, c'est vous, vous jugglez, vous êtes donc un juggler? Non, je suis jongleur. Un jongleur, qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu! Un jongleur est un artiste, un maître des mystères de l'antigravité, des balais aériens. Jadis, les cours des rois d'Europe avaient leurs propres jongleurs, des hommes savants et intelligents vers lesquels les monarques se tournaient quand ils en avaient besoin. Ils faisaient quoi? Bon, bah, si je comprends bien, nos ennemis sont à nos frontières, la peste ravage le royaume et les paysans se révoltent. Mais Dieu merci, nous avons Jojo le jongleur pour lancer ses babales. Je ne crois pas, franchement. Nous avons Jojo le jongleur. Ça n'a pas l'air si difficile de jongler. Ah vraiment, vous croyez ça, vous? Peut-être que vous pensez pouvoir faire mieux que moi. Oui. Je peux essayer. Je vous en prie. Je ne savais absolument pas ce que je faisais. Mais ce type était de toute évidence un crétin.
Donc ça ne pouvait pas être bien dur. Beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginé. Les mecs, ils vont péter la gueule, quoi. Ah, comment ils sont vénères. C'était vraiment une occasion unique de se ridiculiser devant de parfaits inconnus. Pas si facile, finalement, hein? Oui, je suppose que non. Allez, tac. Ouais, bonjour. Il me faut cette putain de balle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Regardez, un... Ha! Vous êtes... Clown? Non, si c'était le cas, vous seriez meilleur. L'espace d'un instant, une idée virevolta autour de l'ampoule de 3000 watts qu'était mon cerveau, mais fut grillée avant que je puisse comprendre ce qu'elle était. À plus tard. Au revoir. Le nez rouge était creux. C'était le nez rouge d'un clown. C'était une grosse... C'était un trépied en métal, simple et élégant. Des tra... Bon, bah allons dans l'église. Bon, on a bien compris que la prochaine destination, ce serait certainement les Vasconcellos en Espagne. Je ne sais plus en quel ordre ça se fait exactement, donc ça fait très longtemps. Une partie qui sera un peu compliquée parce que c'est la partie que j'ai toujours un peu de mal à retenir. Putain, mais ce qui est chiant, c'est que là, on va direct sur le bon, quoi. On veut pas regarder les autres. Je peux pas visiter l'église tranquillou. On s'emmerde un peu quand même, hein. Vraiment, ils ont tout limité pour que ça aille plus vite, je sais pas. Un chevalier au milieu de ses compagnons. Des références bibliques gravées sur le bord des tombes pour le guider dans l'autre monde, je supposais. Et Anis, quoi les références? Un chevalier. Un chevalier. Je n'en avais pas compris la référence biblique. J'étais toujours près du radiateur au cours du catéchisme. Je crois qu'on était tous un peu près du radiateur, peu importe où on était. Alors... Il y avait une statue de chevalier dans son armure de pierre. Son regard fixait le plafond. Porter une armure ne devait pas être chose facile. C'était le dernier chevalier en pierre de cette rangée de quatre. Je me demandais si cet homme était mort au combat. Tout dépend de la gueule qui tire sur le truc. Alors... Un prêtre assis auprès des bancs astiquait quelque chose avec force. Non, non, la politique, je peux y aller, mais bon, peut-être pas taper sur les prêtres non plus, ça va commencer à faire beaucoup, là. On va le sentir que je suis de gauche, à force. Excusez-moi, père. Pardon? Ça vous dérange si je vous pose quelques questions? Pas du tout, mon fils. Je serais très heureux de vous aider. Si seulement vous étiez plus jeune. J'étais en Irlande récemment et... Ma sœur a rapporté un gourdin irlandais. Ok. Vous avez vu cet homme? Non, je ne l'ai jamais vu. Ok, on va accélérer un peu. J'ai un nez rouge. Oui, je vois. Il y a du maquillage sur ce mouchoir. Oui, vous avez raison. J'ai pensé utiliser le vibreur sur lui, oui, mais je ne pouvais pas faire ça à un prêtre. T'as... Putain. Le flic, tu veux pas. Le jongleur, tu veux pas. Le prêtre de merde, tu veux pas. Par contre, ouais, bon, Nico, je veux bien. Lopino, je veux bien. Niquer la gueule à Sergent Mou, tu veux bien aussi. Mais alors, les autres, non, faut pas quand même. Attends, ils sont gentils. J'ai ici une barre pour soulever les plaques d'égout. Ah oui? Non. Ouais. Non. Que pensez-vous de ça? Une manche et une poire en plastique. Que dois-je penser? Ça ne fait rien. Sodomite. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? C'est très joli, mon fils, et pourtant... Je sens qu'il y a comme un air de souffrance en elle. J'ai un trépied médiéval. Oui, je vois. Rien à secouer. Bon, allez, parle-moi des... Que savez-vous sur les chevaliers du temple? Vous êtes venu au bon endroit, si c'est ce qui vous intéresse. Beaucoup d'entre eux furent exécutés dans le square dehors. C'était une période sombre de l'histoire de France. C'est le pape qui a tout manigancé, pourtant. Clément V était pape d'Avignon, pas de Rome. Vous pensez que ce n'était pas un vrai pape? Difficile de se prononcer. Cela fait si longtemps. C'est une période sombre de l'histoire de France. Une parmi les... Ouf. Oh, on a arrêté de les compter, les périodes sombres de France, hein, putain. Est-ce que la fenêtre de droite est d'origine? Oui, mon fils.
Ok, ça c'est cool. Bah, heureusement qu'elle n'a pas pété. Hein. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Ce n'est pas du travail, c'est une vocation. J'aide le père Flaubert depuis presque 6 mois maintenant. Je suppose que vous ne savez pas grand-chose sur l'histoire de cette église, alors. Juste un peu. Vous donnez vraiment de l'éclat à ce chandelier. Ah oui, il faut que tout soit parfait pour le Tout-Puissant. Oui, vous devez avoir raison. Bon. À bientôt. Au revoir. Est-ce qu'on sent que ça a été utile? Parce que moi, je sens que ça a été utile, cette histoire. Une statue de chevalier tenant un bâton et un parchemin. Si la statue avait quelques secrets, elle les dissimulait assez bien. Au bout du bâton, il y avait une espèce de disque marqué d'une croix. Autour de la base du disque, il y avait une empreinte de cheveux. Un manuscrit était un symbole d'érudition, ça je le savais. Un chevalier érudit. Ça me rappelait quelque chose de très espagnol. Chevalier érudit? Don Quichotte? T'es pas heureux, il était fou. Comparativement à ses voisines, elle semblait plus chargée. Elle semblait définitivement plus moderne que sa voisine. Je n'en avais pas compris là. Bon, là, je sais pas, je suis dans l'impasse. Je comprends pas parce qu'en fait, la moitié des trucs que je fais normalement, naturellement et directement, genre le jongleur. Le jongleur, on le fait une fois, la deuxième fois, on reprend les balles et on utilise le nez de clown, c'est tout. Et là, je sais pas, j'arrive pas à y aller, quoi. Il fait « Ah oui, j'ai une idée, mais je sais pas quoi faire. » Une rangée de vieux... J'ai tous ces derrière par les fesses fermes de jeunes filles, la chair flasque des vieux messieurs. Ce n'était pas une image réjouissante. Je retournais donc aux jeunes filles. Waouh. Faut quand même s'imaginer un mec dans une église qui imagine le cul des filles qui ont touché le banc et qui fait d'un coup « Waouh !» Ça me fait toujours beaucoup rire. Alors, non mais Georges est un homme comme les autres. Alors, c'est parti. Ah mais oui, il y a la plaque, putain. Bonjour. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est... Ce maquis... Un héros? Vous êtes sûr de ne pas être un clown? Eh bien, le bourdonnement d'une idée se fit de nouveau entendre. Paf, encore cramé. À plus tard. Au revoir. Au milieu du square, je me demandais s'il y avait quelqu'un. Je ne pouvais pas l'ouvrir. Oui, bah tu sors ton trépied, enfin fais, sors ton pied à la con, hop, c'est bon. Et vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Laissez cette plaque tranquille, allez. Désolé, je ne voulais rien faire de mal. Ne vous en approchez pas. Mais je suis dégoûté des États-Unis. Dégoûté de l'Arkansas. Bon, bonjour. Faut qu'on fasse qu'est-ce dégager. Qu'il y a encore? Parce que là, en fait, en faisant dégager, ce qui se passe, c'est qu'on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que lui dégage, donc il est plus sur la plaque, on récupère la balle, et en plus de ça, le flic, n'ayant plus d'animation à regarder, se barre aussi. Mais bon, À plus tard. Au revoir. C'est quand même la vision la plus idyllique de Paris que j'ai vue dans tout... Bonjour. Rebonjour. Et dans tous les films. Ce Nero, je vous rappelle quelque chose? Vous êtes clown? J'ai l'air d'un clown. Non, bien que vous sachiez jongler comme un clown. Par contre, si j'avais su que vous étiez un clown, ça aurait été amusant, et pas aussi bizarre que ça l'était. Je ne comprends rien du tout. A-t-on jamais entendu parler d'un clown en habit normal? J'ai commencé à comprendre. Vous êtes en train de dire que si je porte un nez de clown et que je jongle mal, je serai l'homme le plus drôle du monde. Mais si je jongle mal et que je n'ai pas de nez rouge... Vous êtes parfaitement pathétique, oui, c'est ça. Vous avez bien compris, monsieur. Allez, on va y arriver, putain, gars. Ok, je ne bouge pas. Oh, con de toi, là. Eh, dégage de là, c'est moi qui vais faire le truc. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh, t'as pas fini de me casser les couilles pendant mon show? Je voudrais encore essayer, si c'est possible. Vous avez pris un cours rapide ou quoi? Non, je viens d'avoir une idée au niveau de la présentation. Hein? Permettez-moi de vous montrer les balles, s'il vous plaît. Si vous tenez à poursuivre votre humiliation, monsieur... Et je sortais ma botte secrète. Et maintenant, ma botte secrète.
Le jongleur était muet et furieux. On aurait pu le prendre pour un mime. Sans un mot, il reprit les balles. Les automates sont des hommes comme les autres. Et repartit vert de rage. Hé, hey, vous avez oublié une de vos balles, hé hey! Mais il ne m'avait pas entendu. Le gendarme, voyant que le spectacle était terminé, décida de faire son métier de policier pour changer. Enfin! Putain! Ah, que c'est long ce passage. C'était la grosse balle rouge que le jongleur avait oubliée. Ouais, ouais, il sera content. Allez. Chut. Système de mort. Les gouttiers d'Arkansas. Allez. Oh! Il y avait un drôle de petit bateau attaché à la berge, sans doute destiné à l'équipe d'entretien. Ou alors, c'est que le fantôme de l'opéra n'était pas loin. Il y avait un treuil sur le canot. Allez, on y va. Le mur était écaillé et ce qui avait pu y être écrit avait disparu. Il y avait trois arches. L'inscription était difficile à déchiffrer, mais je distinguais le mot templier. Il y avait trois arches. L'inscription était difficile à déchiffrer, mais je distinguais le mot templier et... Mes connaissances en vieux français étaient limitées, mais j'avais peut-être. Il y avait trois arches. Ah, je ne me souvenais pas qu'on pouvait aller ici. La porte était splendide. C'est nouveau ce passage, non? Je poussais la porte, mais elle semblait verrouillée. Ou alors, j'ai jamais eu besoin d'y aller, je me suis jamais concentré sur ce passage-là. Mais... Vous vous rendez compte que le jeu c'est un remaster et qu'il y a plus de bugs dedans, que ce soit auditif ou visuel, etc., que dans le jeu original, quoi. Et ils ont retiré des trucs. Non, sans déconner, tout ça pour jouer avec Nico, genre c'était vachement obligatoire cette version dans ce jeu-là, quoi. Déjà, je pense que. Enfin, j'estime que dans le 2 c'était pas forcément obligatoire, mais alors là. Après, dans le 2, c'est rigolo, quoi. Si je voulais m'enfoncer dans les catacombes, j'allais devoir prendre ce chemin. Si le bord ne s'était pas effondré, j'aurais pu sauter par-dessus. Il y avait un treuil. Le crochet repose. Le mur était écaillé. Le mur paraissait en plus mauvais. L'inscription était indéchiffrable. Je me demandais pourquoi. Certainement parce que plus de monde le pousse, ce mur. C'était l'heure de détruire quelque chose. Hey, c'est creux, ça. J'avais percé un trou dans un monument historique. Si des archéologues avaient surgi, ils m'auraient lynché pour avoir fait ça. Ouais, je pense qu'il y avait une espèce de mécanisme caché dans le mur, avec un levier au milieu. Attention! La porte secrète s'était bloquée. Voilà. Non, mais non, je connais pas le jeu. Putain, mais... Laissez-moi jouer! Alors, certes, c'est... Oui, c'est bien que ce soit automatique, mais putain, je le faisais à la mano avant, quoi. Alors, je vais juste vous montrer parce que c'est fun, mais en fait, faut d'abord vérifier plusieurs fois avant d'y aller. On va y aller direct, hein. Attention. Attends, Georges, stop, non, arrête. J'ai sauvegardé ? Oui, je crois. J'espère. En bas de l'escalier, je pouvais voir une lueur. J'entendais des voix qui venaient de la partie éclairée. Il me semblait que c'était le moment d'être prudent. Non, mais t'es sérieux ? Tu descends, je voulais montrer aux gens comment on crevait comme une merde. Laisse-moi montrer aux gens comment on meurt. Et je sauvegardais, c'est bon. Il me semblait que... Putain, tu casses les couilles, Georges.
Au commencement, il y avait la fin. Une fin provoquée par nos ennemis qui apporta les ténèbres. À la fin, il y aura un commencement. La fin de nos ennemis sonnera une aube nouvelle. Au rapport. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissés désemparés. Et de plus, elles sont victimes de réductions budgétaires drastiques. Nous avons suscité avec succès un sentiment de trahison dans les échelons supérieurs. Ils pensent que les politiciens se désintéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Mademoiselle. Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes industriels que pour leurs propres citoyens. On assiste à l'émergence d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. La croyance ridicule en une autorégulation des marchés aggrave cette situation dans le monde entier. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Dans le monde entier, le respect des élites gouvernantes n'a jamais été aussi catastrophique. Grâce à nous, c'est la peur et l'urgence, et non plus la planification et la prévision qui sont les nouveaux mots d'ordre des chefs d'État. Leurs décisions sont hâtives, mais ne peuvent être annulées, car ils ont peur de passer pour des incompétents. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Parfait. Il nous faut accélérer la mort de ces gouvernements ineptes et boursouflés. Professeur, où est l'épée brisée ? Comme nous en avons parlé lors de notre dernière réunion, la disparition du manuscrit a terriblement compliqué notre tâche. Et comme nous avons pu en parler, il vous a été fourni un budget on ne peut plus conséquent. Qu'avez-vous fait de notre argent, professeur ? Nous travaillons sur l'hypothèse que les Templiers, c'est-à-dire nos prédécesseurs... Attendez une minute, ce sont des Templiers, ça ? ...ont dû se faire remarquer lorsqu'ils ont dissimulé les éléments menant à l'épée de Baphomet. J'ai une escouade d'archéologues et d'historiens qui travaillent sur cette piste. Je ne doute pas que ces archéologues et historiens seront autrement efficaces que votre ami Pigramme. Pigramme était fiable. Il a simplement essayé de protéger le joyau de Lochmarne quand l'assassin est apparu. Mais il a échoué. Et n'appelez pas ce Syrien dégénéré un assassin. C'est un assassin, c'est tout. Lui ne le pense pas. Il croit en fait... Silence ! Dois-je vous rappeler que nous avons un devoir sacré ? Une mission ? Quand Philippe a voulu détruire l'ordre, l'épée nous a échappé et nous avons perdu nos pouvoirs. Nous avons la possibilité de la forger à nouveau. Mais le temps presse, il nous faut des résultats. Nous n'avons pas besoin de chamaillerie, ni d'excuses peu convaincantes. Alors, professeur, Baphomet ! Oui, pardonnez-moi. Nous trouverons l'épée et Baphomet, avec ou sans le manuscrit. Nous avons déjà trouvé un autre élément, ici même, à Paris. Parfait ! Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que... nous ne savons pas précisément pour le moment. Ah ! Mais mes meilleurs hommes y travaillent. Vous feriez mieux de ne pas critiquer les autres, Eklund. Au moins, moi, je n'ai pas trucidé l'un des nôtres. Mais bien sûr, ce type était le faux docteur de l'hôpital. Marquer était une obligation, Eklund a agi sur mes ordres. Je vous demande pardon, grand maître, je ne voulais pas. Avez-vous une seule bonne nouvelle à nous annoncer, professeur ? Nous connaissons déjà trois des éléments. Nous savons que Klausner avait obtenu la lentille avant de disparaître. Où était-il ? Nous savons qu'il est arrivé en Syrie, mais après... L'assassin. J'en ai peur. C'est regrettable. Klausner était un bon élément. Ceci est notre dernière réunion avant d'avoir localisé l'épée de Baphomet. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler son importance. Sans elle, tous nos idéaux resteront lettres mortes. Une fois l'épée reforgée, nous serons en mesure de balayer toute opposition. La prochaine fois que nous nous réunirons, ce sera pour devenir les maîtres du monde. Wow. Mais non, putain, on peut vraiment pas crever, quoi. Parce que normalement, c'est en trois fois, c'est-à-dire qu'on voit la première partie où t'as les deux qui parlent, qui disent « Ah, notre heure est venue, notre moment est proche, je sais pas quoi. » Et la deuxième fois, du coup, c'est le moment où le professeur se fait dégommer la gueule, et la troisième fois, il faut regarder absolument la troisième fois, parce que là, on voit le bateau qui part. Sinon, on descend et on se fait dézinguer la gueule. Allez, c'est parti.
Un large cercle était dessiné sur le sol. Au centre, il y avait une pierre. Autour du cercle, je pouvais voir des mots incrustés dans la pierre. À l'extérieur du cercle, on pouvait voir le sceau des Templiers et deux phrases en latin. Non omnis moriar et clarior et tenebris. Je ne mourrai jamais vraiment et les ténèbres flattent la clarté. Alors, c'est parti, parce que c'est un moment très difficile, évidemment. Hop là, voilà. Les pieds du trésor. Ça alors, quelle coïncidence. La lumière d'en haut frappa la pierre et se divisa nettement en 5 rayons. Et chaque rayon éclairait une lettre. En commençant par la gauche, j'ai pu lire M-A-R-I-B. Marib. Très bien. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était trouver un sens à ce mot. Alors, moi, je ne lis pas du tout Marib, mais bon, pourquoi pas. Nico, je les ai vus. Qui ? Les Templiers. J'ai épié leur réunion dans les catacombes. Tu as vu les Templiers ? J'ai vu une bande de types déguisés en chevaliers du temple. Ils recherchent un truc qui s'appelle l'épée de Baphomet. Le faux docteur était là, celui qui a tué Marquet. Le manuscrit est la clé du mystère, comme on le pensait. Il mène à ce qu'ils appellent l'épée brisée. Quel que soit ce truc... Et que vient faire l'assassin dans tout ça ? Il veut les arrêter. Ces pseudo-Templiers, ce sont des hommes et des femmes qui ont de l'influence. Tu ne comprends pas ? Plantard était l'un d'eux. L'assassin l'a tué pour avoir le manuscrit et les empêcher de trouver l'épée. Mais maintenant, c'est nous qui avons le manuscrit. Oui. Alors comment espère-t-il trouver l'épée ? Je ne sais pas. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une lentille et d'un type nommé Klausner qui serait parti en Syrie. Mais ils n'avaient pas l'air de réaliser où ils étaient en train de faire leur réunion. Tu sais, après leur départ, j'ai découvert un piédestal en pierre avec une inscription gravée. J'ai posé le trépied avec le joyau juste en dessous d'un faisceau de lumière. La pierre précieuse a fragmenté la lumière et éclairé les lettres M-A-R-I-B. Marib est le nom d'un village en Syrie. Alors, les pseudo-templiers nous ont devancés. Klausner a été plus rapide que moi. Tu ne penses pas te rendre sur place ? Si ? Pourquoi pas ? Ces types sont timbrés et dangereux. Ce qui me fait penser que tu devrais laisser la pierre précieuse ici. Ok, et le trépied ? Je le renverrai à André, de façon anonyme. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et Lobino ? En quoi ça te concerne ? On était d'accord. Tout ça, le clown, les Templiers, c'est purement professionnel. Oui, mais... Alors, laisse tomber. Ok. Pas question. Bon, bon, en ce cas, c'est fait... La série, c'est... C'est plus un retour, c'est tiré ici, c'est bon. On laisse se démerder, maintenant. Allez, go ! Ah, mais oui, je peux aller aussi à la Villa des Vasques en Seios. On va d'abord aller en Seios, il me semble de mémoire qu'on peut y aller, effectivement, mais ça sert à rien d'y aller maintenant. Allez, c'est parti. Il manque des objets, tu sais, des objets qu'on peut acheter partout, mais qu'on va juste ramasser. Allez, oh, c'est parti pour la Syrie. C'est un Américain, ça connaît bien, ça. Je n'avais pas fait tout ce chemin. Il y avait vraiment des choses fascinantes sur l'étagère, si vous êtes... Le chat était une horrible bête qui semblait être... Oui, c'est un chat, c'est mignon. Oh, horrible et doté d'un sale caractère. C'était le genre de cloche qu'on rencontrait dans les hôtels. Bon alors. L'étalage était surveillé par... Hey there, young fella. Speaking you the English? Speaking you da angalese? Parlez-vous anglais? Si, yes. Bien effecto, oui. Et un peu mieux que vous, d'après ces premiers échanges verbaux. Je m'appelle Nero. Bienvenue dans le temple des marchandises de qualité. J'adore Nero. C'est vraiment un des meilleurs persos du jeu. Ce plat m'a été très utile en Irlande. Vraiment? Vous avez tout un tas d'histoires fantastiques à raconter. C'est captivant. As-tu déjà vu cet homme? Non, monsieur. Et j'en suis content. Il a des yeux froids. Tu vois ce que c'est? Un mouchoir d'homme taché de fard à maquillage blanc. Best timer numéro 7, apparemment. Tiens, serre-moi la main. Je n'y tiens pas, monsieur. Regarde-moi ça, un engin pour soulever les plaques utilisées. Allah soit loué, monsieur. C'est un grand jour. Mes petits-enfants seront fascinés. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh bien, en y regardant à deux fois, rien. Ce motif me dit quelque chose, pourtant. Connais-tu le nom de Merlin? Je crains que non, vieux frère. Qu'est-ce que je peux faire avec un tensiomètre? Vous voulez vraiment que je vous le dise?
Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Oh, monsieur, quel merveilleux jouet! Un jour, quand je serai riche, j'aurai la plus fameuse collection de balles de couleur du monde. Tu es sérieux? Je ne plaisante pas. Les gens se précipiteront des quatre coins du globe pour voir ma... Oui? ...collection. Les Rockefeller et les Barnes peuvent se garder leur prétendu chef-d'œuvre. Mais répondez à cette question. À quoi bon un Picasso si vous ne pouvez pas le faire rebondir contre un mur? Tu as peut-être raison. C'est donc ton étalage? Eh oui, monsieur. Encore qu'étalage est un mot qui ne fait pas juste au meilleur achalandage de cette métropole affairée. Ça, une métropole affairée? Bon, pas à première vue, non. Combien coûtent ces livres-là sur l'étagère? Vous avez de l'argent syrien? Je dois avoir quelques pièces irlandaises. Alors, ils sont trop chers pour vous, monsieur. Ton français est excellent. Merci, monsieur. J'ai étudié grâce aux cassettes que me procurait mon oncle. Oh, des cours de langue? Non, monsieur. Le club Dorothée. Hélène et les garçons, bouillon de culture, tout ça, quoi. Il n'est pas très aimable, ton chat, Nerko. Vous pouvez même dire qu'il est franchement agressif. Pourquoi le gardes-tu? Oh, ce n'est pas mon chat. Il se couche là où ça lui chante, et aujourd'hui, c'est ici. Comme dirait Kipling, c'est un chat qui sait ce qu'il veut. Férocement indépendant. Et il pue. C'est ton père qui rôde là derrière? Tout à fait. Un véritable ours mal léché. Son nom est Ayoub. Tu ne sembles pas le respecter beaucoup. Vous trouvez? Non seulement je le respecte, mais je l'aime presque. Malgré son sale caractère, on s'entend très bien. Est-ce que tu connais quelque chose au sujet des Templiers? Templiers, Templiers, Templiers. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, la superbe série de Leslie Charteris. Le héros s'appelait Simon Templier. Super, ça m'aide vraiment. Rien d'autre? La série télé, Le Saint, avec Roger Moore, son regard de braise et son auréole. Templar, Nero. Il s'appelait Templar dans la série, pas Templier. Oh, je préfère Templier. C'est plus aristocratique. En résumé, les Templiers, tu ne connais pas. Eh bien, il y avait cet ordre de chevalerie qui fut démantelé en 1312 par l'Inquisition. Exactement. Qu'est-ce que tu connais encore? En gros, tout ce qui tient sur une carte de Trivial Poursuite. Quoi? Oui, l'édition médiévale. On l'a eu en stock il y a un ou deux ans. Demandez-moi ce que c'est qu'un mâchicoulis. Allez-y, je suis incollable. Laisse tomber. Bon, oublie les Templiers une minute et dis-moi... Comme les croisés? Ils sont venus à l'Est pour accomplir... Ils ont sacrifié des milliers de vies, dont les leurs, simplement parce... Je ne vois pas en quoi certains les trouvent romantiques. Sérieusement, tu penses franchement que ce truc est génial? Emmène-la, horrible tentateur. Je te l'échange contre quelque chose de ta boutique. En raison de la conjoncture économique actuelle, je crains que cela me soit impossible. Je croyais que tu la voulais. Je la veux, monsieur. Mais pas la boutique. Ce qui en gros voulait dire ce n'est pas tout à fait mon étalage. Et j'aurai de gros ennuis si j'échange quoi que ce soit contre une chose que je veux. Mais peut-être puis-je vous rendre un service? Pas pour l'instant, mais je m'en souviendrai. Ok. Adieu, Nero. Hasta luego. Je ne voyais pas l'intérêt de faire tout ce chemin pour me faire griffer. Ce n'était qu'une intuition, mais à mon avis, la femme était américaine. Appelez-moi Sherlock. Ok, Sherlock. Hello, est-ce que vous pourriez m'aider? Hello, Baruch. Que puis-je faire pour toi? Bonjour, je m'appelle George Stobart. C'est un vrai plaisir de te rencontrer, George. Je suis Madame Henderson, mais tout le monde m'appelle Pearl. Tu as y compris, bien sûr. Ok, Pearl, Ça fait du bien de voir un sympathique visage américain quand on est parti depuis si longtemps de chez soi. Pearl? Oui, très cher? Je me demandais juste si vous pouviez m'aider. Mais enfin, bien sûr, mon lapin. Elle m'éclate, Pearl. Alors, on commence par où? Connaissez-vous un ordre de chevaux? Ça me dit quelque chose. Je me souviens. Le Saint ceci, le Saint cela. Je ne me souviens plus du titre. J'en ai lu une partie. Et? Ça m'avait l'air un peu irréaliste. Alors, parlez-moi un peu de vous, Pearl.
Oh, c'est tellement flatteur, l'intérêt d'un gentleman. Eh bien, mon mari et moi, nous avons cette entreprise de cartes de vœux dans cette adorable petite ville nommée Akron dans l'Ohio. Akron, petite, adorable. Visiblement, elle n'a pas le même avis sur la ville. Est-ce que votre mari est dans le coin, Pearl? Oui, il est pas là. Désolé de te décevoir. Non, ça va. Je suis pas déçu. Vous avez parlé au garçon avec son bric-à-brac? Oui, on lui a parlé. Il s'appelle Nero. Il est tellement mignon. J'aimerais pouvoir le mettre dans ma valise et le rapporter dans l'Ohio. Je ne sais pas s'il apprécierait tellement. Je suis à la recherche d'une antiquité. Quelque chose qui pourrait impressionner nos amis chez nous. Le pauvre garçon faisait de son mieux, mais impossible de trouver. Vous vous y connaissez en tapisserie médiévale? Je fais un peu de couture, mais... Vous inquiétez pas, j'abuse un peu avec mes questions parfois. J'ai du plâtre de... Je crois surtout que tu as une... Vous avez déjà vu cet homme? Un ami à toi? Non, pas vraiment. Que pensez-vous de ce mouchoir? Je pense que ta dernière petite amie était soit une geisha, soit Madame Butterfly. Je la trouvais trop délirante pour lui donner un bon coup de vibreur. Vous savez ce que c'est? Seigneur, non. Ça a l'air de faire mal, isn't it? C'est un outil pour entrer dans les égouts. Mais qui peut être assez malade pour vouloir pénétrer dans les égouts? Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose? Tu es un allumettiste? Il se donne des poignées de main secrètes? Oh, George, il ne faut pas flirter avec une petite marguerite comme moi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se fait appeler Merlin? Merlin? Non, Merlin. Merlin. On sent le O. Mouline? Donc la réponse, c'est non. Oui, mon cher, pas de mouline. Que pensez-vous de ça? Oh, c'est un appareil scientifique. C'est pour la tension sanguine, non? Ça vous fait penser à quoi? Mince! C'est un test psychologique! Non. Oh non! Eh bien, c'est une simple balle rouge. Passé avec succès. Il faut que j'y aille. C'était un plaisir. Comment ces gars pouvaient-ils s'en sortir en vendant des pièces mécaniques inutiles au milieu de nulle part? Ben justement, ils sont mis de nulle part. Sur l'étalage se trouvaient des... Bien que je l'admets avec embarras, il est réellement possible de reconnaître un touriste américain à un mile à la ronde. Allô, je me demandais si vous pourriez m'aider. Mais bien sûr, mon garçon, j'ai toujours un moment pour un compatriote. Je m'appelle Henderson. Dwayne Henderson. Content de vous rencontrer, Monsieur Henderson. Allons, mon garçon. Je suis pas au bureau. Appelle-moi Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Ah, d'accord, Dwayne. Je m'appelle George Stobart. Monsieur Henderson. Comment ça se fait dans le film? Le jour, vous travaillez pour une société informatique de renom. Bref, peu importe, monsieur Henderson. J'ai vu une image avec une reine ou une femme de la noblesse. Elle se regardait dans un miroir, mais son reflet était seul. Que pensez-vous de ça? Je pense que tu devrais suivre une nana. Vous pensez que les taureaux... Drôle de question. Non, je ne pense... Ça vous embête si je vous pose une question bizarre? Non, mais j'y répondrai peut-être pas. Connaissez-vous les Templiers? Les chevaliers de Temple? C'est ça. Non, rien du tout. Eh, vous savez que c'était un ordre de chevalier? Ce que je sais, ce que je dis n'est pas la même chose, mon garçon. Je ne serais pas resté si longtemps dans ce business si je ne savais pas ça. Dans quel business? Le mien. Le business de cartes de vœux. Ah oui, je vois. Est-ce que l'image d'un chevalier tenant une boule de cristal évoque quelque chose pour vous? Alors là, pas du tout. Qu'est-ce qu'un chevalier ferait avec une boule de verre? Je ne sais pas, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Ce n'est pas une boule de cristal. Tout devenait clair dans mon esprit. Ce que les conspirateurs disaient avoir perdu, ce dessin étrange dans le manuscrit, c'était une lentille. Et c'est bon. Vous avez discuté avec Nero? Nero? C'est le jeune du stand avec les rebuts, non? Oui, on l'a vu, c'est un gosse malin. Il parle 4 langues et n'a jamais eu un seul jour d'école. Il ira loin. Mais il n'a pas arrêté de vouloir nous vendre ce Camelot. Vous n'avez pas trouvé grand-chose d'intéressant ici. Je le sais bien et vous le savez aussi. Mais essayez de dire ça à Pearl. Elle est persuadée qu'elle va trouver une merveille au milieu de ses horreurs.
Vous êtes loin de chez vous, Dwayne. Ça va aussi pour toi, George. Moi, je ne fais que flâner, c'est tout. Sans appareil photo, c'est un peu léger de faire tous ces chemins et de ne pas prendre de photos. Ça te dérange si je fais une photo de toi, George? Quoi? Pourquoi? Eh, vous auriez pu me prévenir. Ça ne t'embête pas, George. Nos amis vont trouver ça très intéressant. Vous faites quoi, Dwayne, dans la vie? Je te l'ai pas dit. Je dirige une usine de cartes de vœux. Ouais, nous sommes basés à Cleveland, dans l'Ohio. Cleveland? Pearl m'avait dit Akron. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, rien, je pense tout haut. Où est votre femme, Dwayne? Pearl? Elle est par là, à l'affût d'une bonne affaire. Vous êtes marié depuis combien de temps, Dwayne? Bon sang, ça doit faire 30 ans maintenant. Dieu. Regardez, j'ai du plâtre de Paris. Ah ouais? Moi, j'ai une photo où je serre la main à George Bush. Bien sûr, c'était en 76. Vous avez déjà vu cet homme? Peut-être. Où avez-vous eu ça? Je l'ai trouvé quelque part. Bien sûr, moi aussi je ramasse la photo de complets inconnus et pose des questions dessus. Oh zut! Voilà, j'ai une autre photo d'un perfect inconnu. Peut-être que j'irai poser des questions à droite et à gauche sur lui. Il a du répondant, Dwayne, j'aime bien pour ça. Que pensez-vous de ce mouchoir taché de maquillage? Tu fréquentes beaucoup d'acteurs? Serrons-nous la main, Dwayne. Pourquoi faire? Par amitié. Soyons amicaux en gardant nos mains dans nos poches. Que pensez-vous de ça? Un outil pour soulever les plaques d'égout, oui, et alors? Comment se fait-il que vous le reconnaissiez? Comment se fait-il que vous en ayez un sur vous? Bon, changeons de sujet, voulez-vous? Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Rien. Vous connaissez ce nom, Merlin? Non. Que pensez-vous de ça? Un tensiomètre? Pourquoi diable as-tu un truc pareil? Je le garde pour un ami. Que pensez-vous de ça? C'est une balle. La belle affaire. Bon. Ok, alors, à bientôt. Bon, alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on tique un peu sur Dwayne. Qui sait des trucs, mais pas trop. Comprend les choses, mais fait semblant d'être con. Et il y a l'histoire de problèmes, c'est pas important l'histoire. Mais vu qu'on les revoit plusieurs fois dans les autres jeux, entre autres dans le deuxième du coup, et dans le cinquième je crois, j'ai pas fait le cinquième mais il me semble qu'on le voit aussi. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'en fait ce personnage là est un peu plus complet qu'on l'imaginerait. C'est pas juste un badaud comme ça. Le marchand vendait. Plus intéressant on va dire. Surtout dans le 2 du coup on comprend un peu ce qu'il fait quoi. Salut Neko. Rebonjour. Que sais-tu de ce coup? Oh, ils sont américains. C'est tout? Le mec est un petit peu louche. Quant à la dame, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus maligne qu'elle ne laisse croire. Il n'est pas très aimable, ton chat Neko. Vous pouvez même dire... Pourquoi le gars? Oh, comme dirait Kipling... Férocement. Et il... Sérieusement, tu penses franchement... Emmenez-la. Adieu Neko. Je n'avais pas fait tous ces chemins. Il y avait vraiment des choses fascinantes. Je ne sais plus. Faut que je passe le tour. On va voir notre Michel Leb bientôt là. Michel Leb. Le visage du propriétaire. Dans l'air immobile, les kebabs pendaient lamentablement à l'étalage. Au niveau marketing, ça laissait à des... Bonjour, comment vous vous appelez, monsieur? Salut. Tu achètes kebab? Meilleur délice. Que pensez-vous? Tu achètes kebab? Que pensez-vous? Achète kebab? Cam Turin? J'aimerais votre opinion. Là, tu achètes kebab? Nam! J'aimerais votre opinion. Là, tu achètes... Est-ce que ça... Non. J'aimerais... Là, tu... Que pensez-vous? Tu achètes kebab? Meilleur délice. Que pensez-vous de ce... Achète kebab?
Que pensez-vous? Tu achètes kebab? Bon. Eh bien, au revoir. Meilleur de... Alors, ça, on capte plus tard ce que c'est. Tac, bon, on monte, hein. Le marchand semble être le résultat d'un accouplement entre un renard et un agent d'assurance. Putain, les descriptions sont énormes. C'était le motif. Le marchand de tapis avait une impressionnante collection de marchandises. Si j'avais eu le temps et l'argent, je lui aurais peut-être acheté quelques tapis. Mouruba, bonjour, messieurs. Ah, le retour de... Que pensez-vous de... Oui, que pensez-vous de... Oui, que pensez-vous... Bonjour, messieurs, très bon. Que pensez-vous de... Oui, yes. Que pensez-vous de ceci? Bonjour, monsieur. Très beau. Cette boîte d'allumettes. Oh, donnez-moi à la motte. Je suis rentré dans le club des plus grands sages. Beaucoup de salutations sincères, mon ami meilleur possible. Je vous connais, monsieur? Non, doublement non. Mais, mon ami, tu ne vois-vous pas quelle chance commune nous avons dans cette rencontre? Vous voulez que je sois franc? Tu es voyageur, non? Dis donc, vous êtes le meilleur détective du monde. Non, on m'a dit que Sherlock Holmes, bien meilleur, avec grand front et pantoufles pleines de poils. Par opposition, je suis plus grand chauffeur de taxi luxuriant du monde. Je vois où vous voulez en venir. Je suis Uldar, chauffeur taxi et luxuriant guide par excellence. Il fallait que j'entende ça. Où ton cœur désire-t-il aller? Mentionne simplement le lieu à ton serviteur et nous volerons jusque là-bas, rapide comme l'aigle. Eh bien, je ne veux pas encore quitter Marie, mais je suis sûr que si je le fais, vous serez le premier au courant. C'est bien. Tu sais où tu allais. Tu viens voir Uldar. Merci, à plus tard, Uldar. Passe une bonne journée pleine d'expérience. La bonne humeur du patron semblait forcée. En regardant l'endroit, je comprenais pourquoi. L'extérieur du crachoir décoré était beau. Je n'avais pas ressenti le besoin de cracher depuis que j'avais... Le crachoir était presque plein. Que vendait-il ici? Même si j'avais voulu cracher, ma... Mince, la porte... je suis désolé, vous avez dit quelque chose? Il dit, vous parlez dans toilette, lire panneau, mon poteau. Poteau? Français d'Ultar, parfois pas courant. En fixant intensément le texte et en louchant un peu, je découvrais que je ne pouvais pas en comprendre un mot. C'est encore moi, Ultar. Allah soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. Que pensez-vous de... Pas grand pas. Même pour Ulta... Vous avez déjà vu cette... Oh, très sûr. Ici, hier. Mon Dieu, il est... Oui, il pose... Que vous a-t-il de... Il demandait sur Américain nommé Stobby. Stobart? Oui, Stobart. Vous connaissez? Le tueur savait mon nom. Et quoi d'autre? Il voulait savoir des choses sur homme allemand Klobner. J'essayais de me souvenir du nom de l'homme que... Était-ce Klausner? C'est ça. C'est ce que Uldar a dit, Klausner. J'ai dit à l'homme dans photo, Klausner veut aller à la tête de taureau. Attendez, il voulait aller où? Tête de taureau. Grande colline, à 20 km de la ville. Peut-être 100. Quand était-ce? Oh, peut-être une semaine. Ce mouchoir attaché de maquillage veut dire quelque chose? Rien, pourquoi? Serrez-moi la main. Ça me rappelle blague, un mois, peut-être 6. Homme arrive près Uldar dire « Serre-moi la main, Uldar. » Mais homme a chose électrique dans main. Beaucoup de rire. Puis je lui ai cassé le bras. Électrocuter le gros syrien n'était pas une si bonne idée.
C'est une clé pour soulever les bouches d'égout. Vous transportez drôle de choses avec vous, monsieur. On est d'accord. Mmh. Que pensez-vous? C'est un jouet. C'est un tensiomètre. Que pensez-vous de cette... Très somptueux. Cet endroit est vraiment difficile. Oh oui, très sélect. Cher client, quelle est la population selon toi du village? Je ne sais pas, quelques milliers d'habitants? Donc, j'estimerais devenir membre à pas plus de quelques milliers. Et que penses-tu de ce garçon au marché, Nero? Nero? Ah, le garçon Ayoub. Prétentieux comme Artaban. Je parle français splendide et il rigole. Il dit... Ultar, tu es un gros âne, tu écorches l'infinitif. Je dis, j'écorche ta tête dès que tu arrêtes de bouger. Assez marrant, non? Hilarant, tu devrais passer à la télé. Que sais-tu au sujet du marchand de kebab? Le plus triste des hommes. Ultar dit, déride-toi, mon pote poteau. Ça n'arrivera peut-être jamais. Et il dit... Tais-toi, Ultar. Pas sympa. Pas du tout. Arto a visage comme le crachin du samedi après-midi. Quoi que ça puisse vouloir dire. Tu as rencontré le couple américain? Est-ce que Ultar les a rencontrés? Est-ce que... Et? Excessivement très radin. Ultar proposait montrer merveille de la campagne. Ils disent, y a-t-il quelque chose d'antique? Ultar dire, oui, bien sûr, la nature est antique. Ils disent, non, quelque chose d'antique fabriqué par l'homme. Et Ultar dire, vous avez vu mon taxi, courroie de ventilation plus vieille qu'Ozymandias. Mais eux pas intéressés. Salaud. Peux-tu me dire ce que ce panneau veut dire? Ils dire, porte reste fermée jusqu'à ce que la balayette revienne. Signé la direction. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Le manager achetait jolie balayette de toilette neuve. La laisse près cuvette pendant 10 minutes. Revenir, elle était violée. Volée, même pas déballée. Lui vraiment furieux. Fermer toilette et dire... Nous dire... Qu'il dire... Croisez vos jambes et utilisez la volonté suprême. Et c'est ce que tu as fait? Non. Ultar, utilisez saut. Tu sais quelque chose sur les Templiers? Indubitablement. Oui, que peux-tu me dire? Grand groupe pop. Non, ce doit pas être... Mais qui a mis le bop dans le bop shibop douap? Oui, grande question. Que peux-tu me dire au sujet de la colline à tête de taureau? Très magnifique, très belle vue. Comment puis-je m'y rendre? Non, laisse-moi deviner. Tu as besoin d'un guide luxuriant pour vous y aller avec taxi. Malheur à moi. Où puis-je trouver? Et Ultar est meilleur luxuriant guide pour très littéralement quelqu'un. Ça alors, la chance est avec moi. Désires-tu, mon serf? D'accord, c'est bon. Allons-y. D'abord, je regrette les formalités. 50 patates? Je n'ai pas 50 patates. Oh, très triste complication. Ultar, alors, désolé. Attends, Ultar, n'y a-t-il rien? Avant, c'était comme ça, mon ami bien-aimé. Mais taxi a besoin d'essence et son silencieux doit consulter médecin des silencieux. Troc pour... Mon cœur pleure l'injustice, mais c'est dollar ou ceinture, ô américain malchanceux. Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide. Oh, je crains alors les délices... Bon, mais... Oh, je crains... À bientôt. Bonjour, quel beau club vous avez là. Je me demandais si vous pourriez m'aider. Quoi, je veux dire, je vous demande pardon. Je suis désolé, je comprends pas. Pas surprise ici, c'est sûr. Il dit, désolé, mais il pas parlé français. Mais il n'a rien dit. Il n'a pas de langue. Pas de langue? Que s'est-il passé? C'était un pari. Et il a perdu? Il a gagné. Vous devriez voir autre gars, ça oui. C'est encore moi. Allah. À bientôt. Il n'y avait aucun intérêt à... Puisque je ne pouvais pas parler arabe et qu'il ne pouvait pas parler du tout. Bon, alors, plusieurs choses. Il faut qu'on puisse aller à la tête de taureau. À le fameux taureau. Et il faut aussi qu'on puisse rentrer dans les chiottes pour pouvoir aller dans la tête de taureau.
Et du coup, pour aller à cette fameuse colline, il nous faut récupérer un objet dans les toilettes. Et pour récupérer l'objet dans les toilettes, il faut trouver la brosse à chiottes qui manque. Voilà. La brosse à chiottes maudite, comme on dit dans le milieu. Et attention, attention, ça va être rapide. Dans l'air immobile. Gros plan. Gros plan. Tout d'un coup, l'horrible vérité me sauta au Voilà. visage. Le type remuait les kebabs avec un balai à toilette. Rebonjour. Salut! Eh bien, au revoir. Mais... Alors. Où est ce petit homme? Est-ce qu'il me faut des $50? Allez. Salut, nerf. Rebonjour, monsieur. En quoi? Oh, désolé. Il n'est pas très aimable, ton... Vous pouvez même dire qu'il... Pourquoi le... Oh, comme... Pourquoi je parle encore du chat, putain? J'ai rencontré un type intéressant tout à l'heure. Un chauffeur... Ah, ce doit être plus barbare que berbère, celui-là. Oh, il n'est pas méchant. Vous avez vu comme il baragouine le français? Eh bien, en arabe, c'est le même charabia. Qui est ce type qui vend les... Oh, c'est Arto, un pauvre diable. Il n'a pas l'air très heureux. Il est toujours comme ça. Jour après jour, c'est la même tête de lard. Au moins, ces kebabs sont bons. Est-ce qu'il parle français? Je n'irai pas jusque-là. Écoute, ça va te paraître bizarre, mais j'ai besoin de la balayette d'Arto. Quoi? La balayette qui lui sert? Oui. Vous ne préférez pas des cartes postales coquines? Nejo, c'est sérieux. Arto a volé cette balayette à un ami et je veux la récupérer. Je peux peut-être vous aider, mon vieux. Qui sait? Peut-être? Peut-être quoi? Qui sait quoi? Je ne voudrais pas paraître vénal, mais je suis marchand. Et les marchands, marchandent. Marchand? Tu te prends pour tapis? Si vous avez choisi d'être désagréable... Non, non, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux? Je crois me rappeler que vous avez quelque chose qui chasserait mon ennui. Un globe merveilleux. Une sphère rubiconde paradisiaque. Tu veux dire une balle? Une petite chose sphérique qui me procurera des heures de plaisir inénarrables. Si c'est la balle que tu veux, pourquoi ne le dis-tu pas? Vous pouvez me rendre la balle? Oui. C'est bon, la voilà. Merci, monsieur. On dit souvent du mal des Américains, mais vous, vous êtes chouette. Quoi, qui dit du mal? Oubliez ça. Pensez à la balayette. Oui, c'est ça, la balayette. Avec Arto, il vous suffit d'être poli. Cela illuminera sa journée et lui redonnera du cœur à l'ouvrage. Comment pourrais-je être poli avec lui si je ne parle pas un mot de syrien? D'arabe. C'est ce que je voulais dire. Rappelez-vous simplement cette phrase. Il a quel calbe. Il a quel calbe? Oui, ça y ressemble. Maintenant, allez voir Arto et susurrez-lui ces douces paroles à l'oreille. Il ne pourra plus rien vous refuser. Vraiment? Vraiment. Adieu, Nero. Hasta. Ce qui est vraiment Nero, c'est un petit bâtard, quoi. Sur ce coup-là. Allez, on est parti. Ouais, c'est un peu long, la série, mais j'aime bien. C'est pas le plus long, hein. Le plus long, c'est l'Espagne. Vraiment. Allez, il a quel calme. Calme. Oh bonjour, monsieur. Salut. Il a que le calme. Sale. Mauvais. Mauvais. Je te tue. Wow, calmez-vous, je ne... Donc là, du coup, c'est le moment où on se demande ce que ça veut dire. Donc, allons parler au premier mec qui peut nous aider. C'est encore moi. Allah. Que veut dire il a quelqu'un? Qui t'a appris ça? Nejo m'a dit de le dire à Arto. Et Arto t'a poursuivi avec grand couteau, c'est ça? Oui, comment le sais-tu? Je connais Arto. Tu lui as dit dans mauvais arabe que ses kebabs étaient faits avec viande pour chien. J'ai dit qu'il utilisait de la nourriture pour chien. Pas étonnant qu'il soit devenu fou. Non, Ultar pas dire viande pour chien. Ultar dire viande de chien. Oh. À bientôt. Collabore. Bref, on a récupéré le blé à chiottes. Ça, c'est déjà un bon début, non? Le visage du propriétaire du stand faisait du temps. Oh, bonjour, monsieur. Sale! Ok.
On a quand même failli se faire poignarder par un. Par un Syrien qui vend des kebabs arrosés avec une balayette à chiottes. Hein. Moi je dis ça. Il joue la balle, toi. Punaise, qu'est-ce que tu lui as dit? Patience, monsieur. Patience. Patience, je viens d'être poursuivi par un vendeur de kebab qui voulait m'égorger et tu veux que je sois patient? Considérez, monsieur, que pendant que vous étiez aux prises avec un Arto furibar, le furibar Arto n'utilisait pas sa balayette. Et attends une minute, es-tu en train de me dire que j'ai servi à faire diversion? Votre balayette, monsieur. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait mettre sur la liste noire d'un vendeur psychopathe pour une balayette à toilette. La fin justifie les moyens, monsieur. Ouais, j'ai surtout vu que ce n'est pas toi qui risquais tes fesses. Ils servent aussi ceux qui ne font qu'attendre, monsieur. Épargne-moi le couplet, tu veux? Merci pour la balayette et pour avoir risqué ma vie au passage. On recommence quand vous voulez. Quel petit connard. Adieu, Nero. Hasta luego. Allez, on est reparti. Youpi! Ah, c'est des allers-retours. On adore ça, les allers-retours. C'est le genre de jeu où on kiffe les allers-retours. C'est vraiment les meilleurs moments. Et encore, là, ça va. Ah, putain, surtout que là, je double-clic, ça sert à rien. Quoi. Alors, paf, il a quelqu'un. C'est encore moi, Ulta. Allah soit loué. Regardez, j'ai retrouvé la balayette. Pas agité devant mon nez. À bientôt. Que la bonne. Il n'y avait aucun intérêt à, puisque je ne pouvais. Voici votre balayette, monsieur. Il n'a pas été facile de la récupérer. Le patron me prit la balayette des mains, me donna les clés des toilettes comme récompense et sortit bruyamment. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Patron dire, bah, regarde son état. Besoin de plus de nettoyage au détergent avant de réutiliser encore. Il a dit tout ça? Langage du corps compte beaucoup, vous savez. Indubitablement. Allez, on y va. Quoique je sais pas si j'aurais dû sortir la clé et y aller après. Je savais que la porte était fermée. Georges, tu fais tout automatiquement quand j'ai besoin de faire des trucs à la mano, et là, tu... Non, je sais pas comment ça marche. Là, les meilleurs chefs turcs de toutes les séries. Oh là! C'était la chaîne que j'avais subtilisée dans les toilettes du club Alamout. Et là, je me suis dit que les Français avaient de bien étranges toilettes. Je n'avais rien bu depuis ce matin, je n'avais donc pas besoin de m'en servir. Quel homme. Le miroir était aussi propre. C'était un distributeur de serviettes. Comment on fait déjà? Bon. Allez, c'est bon, on ressort. Ça va, j'ai rendu une balayette à chiottes pour récupérer deux trucs dans les chiottes, tout va bien. Je pense que c'est rentable. C'était un morceau de la serviette éponge grise et râpeuse des toilettes du... C'est encore moi, Ulta. Allah. Ah oui, non, c'est vrai. Il faut que je... Regardez, j'ai la... Et cette chaîne... Vous avez retrouvé la brosse pour pouvoir voler chaîne? Regardez ce que... Pour faire... Eh bien, je ne sais pas. Vous, très bizarre. À bientôt. Que la bonne chance... Qui ne fait pas ça en même temps, excusez-moi, mais... Tout le monde fait ça, courir partout et ramasser les choses. Bon, alors... Normalement, maintenant, il joue avec sa putain de balle. Ça se passe en 3 temps, la prochaine truc. Là. En 4 temps.
Le premier, c'est le voir jouer avec la balle. Et on entend au petit boum boum qu'il est en train de jouer avec. Voilà. Donc, il joue avec la balle. Voilà. Donc, en trois temps. Hop, on bouge le chat, on appuie là, il lance la balle. Ça dégage le chat. Qui fait tomber une truc. Qui se barre en courant. Arthos se fait engueuler, récupérer sa balle, et voilà. Salut Neko. Rebonjour monsieur. Putain, Arthos, c'est l'autre. À quoi tu fais penser? Vous êtes en train de construire une... Tu reconnais ces clés? Non. Adieu Neko. Hasta luego. Hop, ensuite. Je sais pas si je peux le faire direct, j'espère que si. Donc là, on récupère la statue. La statuette faisait peine à voir après sa chute. La peinture avait fonctionné à... Voilà. La peinture avait fonctionné à merveille. Ouf, c'est parti pour le pognon. Parce qu'il nous faut quand même 50 balles, bonjour, pour rappel. Hello, George. Quel plaisir de te revoir. Vous avez rencontré le chauffeur? Oh mon Dieu, oui. Et il vous a emballé? Oh, quand même. Oh, tu veux dire nous faire monter? Non, Dwayne n'a pas trouvé ça intéressant. Vous avez consommé quelque chose du... Seigneur, non. Vous avez déjà entendu parler d'un mont appelé la... Non, jamais. Je ne sais pas trop. C'est très romantique comme nom. La tête de taureau. Vous savez ce que il a quelque... C'est très romantique. Oui, je pense pas que ça le soit. Pour... Vous dites que la société... Et Dwayne a dit qu'elle était... Oui, en effet. Dwayne était dans les Marines, mais il a été exempté. Enfin, bref, parfois il s'embrouille un peu. Oh, je suis désolé, je... Parfois, il est aussi un peu paranoïaque. Il pense qu'il est un espion. Je suis désolé, Pearl. Ne t'en fais pas, George. On s'y fait. Que pensez-vous? On peut dire... Regardez, une serre... Je crois qu'en français, on dit une serre... Laissez tomber. J'ai la clé des... Avec ma digé... Oh, mais... Que pensez-vous de ce bel exemple? Splendid. Vous la voulez? Oh, j'en rêve. Mais je n'ai pas l'argent sur moi. Si tu vas chercher Dwayne, s'il dit quelque chose, dis-lui simplement... Okay. Il faut que je... C'était... Non, non. Salut, Dwayne. En quoi puis-je... Vous avez rencontré... Oh, merveilleux, luxuriant voyage en tac... Oui, c'est lui. Il a essayé de nous arnaquer. Il nous a emmenés à la poursuite des oies. Vous avez entendu parler d'un... Je ne peux pas dire que oui. Où est-ce? C'est ce que j'essaie de savoir. La tête du taureau. Faut que je m'en... Vous avez acheté quelque chose au vendeur de kebabs? Absolument pas. Pearl a déjà eu une attaque au Mexique avec le bouffe local. Qu'est-ce que cette chaîne de toilettes signifie? Elle signifie que quelque part, quelqu'un ne peut pas tirer le chat. J'ai une serviette. Eh? C'est tout, j'ai une serviette. Oh, je m'attendais à une question. J'ai la clé d'un WC, là. Tu travailles dans un mag... Je pourrais. Que pensez-vous de... Seigneur Dieu... Oui, il a fallu que je fouille cette ville entièrement pour... Tu as eu plus de chance que nous, ça semble roumain. Ça, je ne sais pas. Ça va jaser chez nous. Tu en veux combien, George? Oh, je ne peux pas, c'est la prise de toute une vie, je veux dire... $50, à prendre ou à laisser? Je les prends, voilà pour vous. Et voilà pour toi. Merci pour les sous, Dwayne. Ça va m'être très utile. C'est moi qui dois te remercier pour avoir... Ok, à la revoyure. À bien. Allez, on a les 50 balles. Donc là, deuxième temps, hein, du coup, on a récupéré le pognon. Troisième temps, on va voir Ultar, et quatrième temps, Ultar va nous dire qu'il y a un problème, parce qu'il y a forcément un problème, vu que sa bagnole n'est pas tout à fait à jour, puisqu'il nous disait, hein. Voilà. Tiens, finalement, Ultar et moi ne sommes pas très différents. Alors. C'est encore moi, Ultar. Allah soit loué. À propos de la colline... Désiré. Eh bien, peut-être. Je vous fais... 50, hein? Bon, c'est d'accord, voilà l'argent. Ah, que Dieu en soit. Monsieur, nous devons faire en... Mais où est votre taxi? Le seul véhicule que j'ai vu dans le coin, c'est un vieux tas de ferraille de l'armée. Oui. Oh, d'accord, j'arrive. Hein?
Il est à fond. Ce n'était pas bien de partir avec les clés de Toy. Alors, bon, par contre, partir avec la chaîne de la chasse d'eau et la serviette des chiottes, c'est pas un problème, par contre. Pas de soucis pour ça, tranquille. Ouais, bonjour, Ulta. Très splendide client aventurier. Est-ce que cela est du... Mon ami. Voilà. On sait pas pourquoi, mais voilà. Ulta me prit la serviette, la coupa en deux et me redonna la moitié. Avec sa moitié, il fit une sorte de courroie de ventilateur de remplacement qu'on fait normalement avec des bas. Maintenant, je fais un nœud avec les deux. Voilà, pratique, très pratique en fait. Les bas marchaient peut-être sur une Bentley, mais sur un camion, la grosse serviette faisait très bien l'affaire. Dépêchez-vous, mon ami. Vous voulez voir la tête de taureau, non? Allez, go. Go. Ah, Georgie. Je ne souvenais pas de ce rond. Allez, comme d'habitude, on commence par faire des trucs. Ramasser tout ce qu'on trouve. De toute façon, c'est le genre de jeu, comme je l'ai déjà expliqué au tout début, dès que vous voyez un objet. Vous prenez. Même s'il ne sert pas plus tard, hein. Au moins vous l'avez si jamais il y a besoin. J'avais assez abîmé cet arbre pour un jeune arbre pousse. Très bien. Alors, ensuite. Des siècles de soleil brûlant et de nuit glaciale avaient fait très loin dans la roche. Cette fissure pouvait me faire un bon point. Ok, alors maintenant. Tac. Tac. J'accrochais le bout. Parce que pourquoi faire ça quand on a ça, hein. Là ensuite, tac, tac. Alors oui, c'est pas évident quand on le sait pas, mais en fait, ça paraît vachement logique une fois qu'on est au courant du truc. Cette fissure pouvait me faire... Du coup, là, on vient de se faire un truc pour bloquer, voilà, dans le rocher. Et on s'est fait un petit truc pour descendre. Alors, c'est vrai que quand on se dit qu'il n'y a plus que la moitié, ça nous paraît petit, mais finalement, visiblement, non. Bon, ça paraissait sûr, mais je n'avais pas prévu de faire du saut à l'élastique en venant en Syrie. Alors, c'est parti. Comme d'hab, ils ont tout retiré, donc on va faire directement les choses, parce que, bon, le jeu, il veut qu'on aille vite, alors on va aller vite. Hein. À un moment donné, ça ne pose pas de questions. Quoi. De plus près, la niche... Ok. Je n'aimais pas l'idée d'avoir à mettre mes mains là-dedans. Oh, et puis quoi, je risquais juste l'amputation. Aucune lame ne me trancha la main. Et aucun scorpion ne me piqua, et j'en fus profondément satisfait. Mais oh. Il y avait quelque chose là-dedans. Un anneau de métal aussi large que ma main. Bah, tire-le. Je resserrai ma main sur l'anneau, essayant d'oublier tous les pièges mortels, et tirai. Mais ils ont même pas laissé une machine. Putain. Sans déconner. L'anneau avait fait ce... Juste au coin, je découvrais le corps. Oh mon Dieu, Klausner! Aucun doute, il était bien mort. Encore sous le choc, j'entendis le mécanisme. Bon sang, non! La porte s'était refermée sur moi. Je pensais à la façon dont Klausner avait dû mourir. Le contenu de cette bouteille avait déjà été bu. Klausner devait être mort de soif et de déshydratation. Les fouets peuvent être utiles pour... Mais ils ne servent à rien. Klausner se prenait vraiment pour un indien.
Je n'apercevais aucun, excepté ses empreintes de doigts arrachées à vif, qu'il semblait s'être fait tout seul. Klausner avait été assez malin pour arriver jusqu'ici, mais pas assez pour en sortir. J'avais fouillé le... Ni téléphone portable. On pourrait exiger que les espions... J'avais fait des trucs plus amusants dans... Mais bon, faut pas mourir. J'avais ouvert la veste avec précaution. Une bourse en cuir était coincée sous le corps de Klausner. Et qu'est-ce que c'est? J'avais trouvé une sorte de lentille, très vieille et taillée dans un verre très résistant. Ça réglait le problème. Le chevalier du manuscrit tenait une lentille, pas une boule de cristal. Il n'y avait rien de... La lentille, c'est fait. Ils ont encore fait un truc inutile pour ça. C'était la lentille que j'avais trouvée sur le corps de Klausner. Ça valait le coup de retirer plein de trucs pour ça. Putain, vraiment, je suis vénère par rapport à ça dans le jeu. Une tête en pierre supportant trois vies. Le résultat était bizarre, évoquant les mystères de l'an. Je ne voyais pas à quoi pouvait me servir la statue. Je ne pouvais pas emporter le mur avec moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de l'apprendre par cœur. In occidenta sita est in ora mundi. Bon, il faudra que ça aille. La bouche s'ouvre. Ça doit être Ultar. Bon sang, s'il entre, nous sommes tous les deux prêts au piège. Ultar, n'entre pas. C'est un piège. Reste où tu es. Vous? Bonjour, monsieur Stobart. Nous nous rencontrons dans d'étranges endroits. Ne faites aucun mouvement brusque, je vous prie. Je n'ai aucune envie de vous estropier. Vous avez dit estropier? C'est ça. Les morts ne parlent pas, comme vous dites si bien. Et je veux entendre tout ce que vous avez à dire. Et si je ne veux rien vous raconter? Je devrais alors à contre-cœur vous tuer. Soyez rassuré cependant, je suis un excellent tireur. Vous ne souffrirez pas. Tant mieux, vous me rassurez. Il fait plutôt sombre ici. Réglons nos affaires dehors, voulez-vous? Ce sera plus facile pour viser, non? Sachez que je vous atteindrai même dans le noir, monsieur Stobart. Malheureusement, ma réputation en souffrirait. Ça pourrait être à la jambe, à moins que vous ne préfériez l'entrejambe. Bon, on étouffe ici. Pas de mouvement brusque, monsieur Stobart. Bon, c'est la merde. Voilà. Mais on est à tête de taureau. Et maintenant, par où commençons-nous? Je vous offre un verre et vous jetez votre arme. Klausner, vous savez où il est? Oui, au fond de la grotte. Oui, je l'ai retrouvé mort dans la grotte. Allez-y. Je vous crois sur parole. Comment est-il mort? De faim et de soif, d'après ce que j'ai vu. Il était pris dans ce piège dont vous parliez à l'instant? C'est ce que je pensais. Les Templiers ne sont pas du genre à livrer leurs secrets facilement. Avait-il quelque chose sur lui? Oui, une sorte de lentille, je l'ai ici. Donnez-la-moi. Vous plaisantez? Ne soyez pas idiot, monsieur Stobart. Si je vous la donne, qu'est-ce qui vous empêchera de me tuer? De toutes les façons, rien ne m'en empêche. Vous pourriez abîmer la lentille? Pas si je tire dans la tête. Je pourrais la briser en tombant. Vous seriez un bon avocat, monsieur Stobart. Peut-être vivrez-vous un jour de plus. Peut-être. Y avait-il autre chose? Eh bien, il y a quelque chose, mais impossible de le déplacer. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est la carte d'un trésor, avec une croix dessus. Bien sûr. Vous croyez que je vais gober ça? Bon, vous me tenez. Juste au coin, il y a quelque chose en latin sur la paroi. En latin? Qu'est-ce que ça dit? In occidenta sita est in ora mundi. Ah, les mots de César. Mais oui, c'est ça. Je sais, en gros, ça se traduit par « à l'ouest, au bord du monde ». Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça m'indique l'endroit où se trouve l'épée de Baphomet. Monsieur Stobart, vous êtes vraiment très doué pour un amateur. Merci quand même. Mais vous devenez très indésirable. Il y a beaucoup trop en jeu, plus que vous ne le pensez. Qu'allez-vous faire alors? Je crains que votre beau voyage ne s'achève ici. Je vous laisse le choix de votre mort, comme un homme ou comme un chien. Alors, la réponse, vous pouvez choisir comme un chien, mais vous allez forcément mourir. Du coup, il faut choisir comme un homme. Et là, vous avez les cartes en main. Faites votre boulot. Vous êtes un homme courageux, monsieur Stobart. Une espèce rare. J'aimerais vous serrer la main. Oui, bon, pourquoi pas. Alors, normalement, voilà. C'est que là, on a plus besoin de le faire, mais à l'époque, il fallait qu'on clique direct sur le côté pour se barrer. Et putain,
ils ont... Heureusement, la toile du camion de Ultar a amorti ma chute. Dieu merci. En fait, le pire, c'était la façon dont conduisait Ultar. Et la lentille, elle est intacte? Oh oui. Ça fait du bien de te revoir, George. Vraiment? Je dois dire que la série aurait été bien mieux si tu avais été là. Je n'aurais pas été d'un grand secours. De toute façon, tu t'en es très bien tiré sans moi. C'est vrai, je m'en sors vachement mieux sans toi. On est d'accord. Tu as une idée sur l'utilité de cette lentille? Elle sert de loupe, sans aucun doute. Merci, Nicole. Bon, revenons à... Oh non, non, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ellie, mais... Un chevalier, le parchemin du Parmont. Il y a entre les... Il y a un... Regarde... Voilà. Depuis combien de temps? André, on s'est connu. Il m'a aidé quand j'étais en première année. Il m'a montré comment ça marchait, ce genre de choses. C'est la première fois que tu me dis ça. Je pensais que c'était juste une relation de travail. Mais c'est ça. Je le vois rarement maintenant. Tu sais, il n'a pas beaucoup changé. Un petit peu moins de cheveux, peut-être. J'avais oublié combien il pouvait être drôle. Hé, Nico. Pas question, les... Je ferais bien... Allez. Maintenant. Direction musée, ouais, enfin, on s'en fout, moi je sais pas ce qu'il faut faire, donc on y va. Allez hop, c'est parti. J'ai lu un article sur le... Vous êtes... Oui, me... Je ne m'attendais... Ça paraît étrange, mais... En service, mais vous... C'est faux. Je ne bois pas seulement du vin. Quelque chose doit m'échapper. Précisément, monsieur. Je me fais passer pour un policier je m'en foutiste et alcoolique. Vous êtes assez convaincant. Merci, mais en réalité, tout mes... Je suis prêt à bondir tel un ressort. Dong. Et sur qui ou sur quoi comptez-vous faire zong? Vous avez sûrement entendu parler des événements qui secouent la... Vous voulez dire les meurtres? Oh, les meurtres, ça c'est tous les jours. Non, moi je suis sur les traces de Jack l'égoutteur. Hein? De qui? Cet être mystérieux vole les déchets, dont le seul nom est pour les éboueurs synonyme de terreur. Mais oui, c'est lui l'infâme, l'horrible Jack l'égoutteur. Bravo, c'est excellent. Merci, j'ai passé la moitié de la nuit à écrire ça. Qui c'est ce Jack? Ah, si nous le savions, il serait sous les barreaux. Mais c'est un... Cet homme est prêt à adopter les pires déguisements. Il s'est fait passer pour un agent de police et a enduit d'erreur un ancien combattant. Oh. Il prétendait être un jongleur. Bon sang, il est déjà si tard. Et aussi un touriste américain. De quelle nationalité êtes-vous, monsieur? Canadien. Bon, il faut que j'y aille. À plus. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir participé à la mythologie urbaine. Et Jacques l'égoutteur. Bien. Alors. On y va. C'est pas ouf, hein. Vu que le jeu casse tout le truc, ça paraît pas intuitif comme ça, mais bon. En gros, quand on arrive ici la première fois, on peut voir des trucs et regarder dans le truc. Donc on sait qu'il y a un truc à faire à ce moment-là. Ce qu'on peut, c'est pas, c'est qu'on peut un faire maintenant, en fait. Un cheval. Ce qu'on peut pas faire, en fait, tout simplement. Et du coup, là, faut qu'on fasse ça. La lentille, ça... Ça paraît logique. On peut pas regarder dedans, on l'a jamais fait, mais oh, la lentille, elle va dedans. Voilà. Donc c'est complètement con. Jusqu'au bout, ce putain de remaster, ce sera de la chiasse. Hein. Je sais pas qui s'en occupait, mais alors franchement, bravo les gars. Per disciplinam, meam, lux videbis. Hey. Oh, c'est un mini-jeu, non. Oh putain, mais il est pitié. Bon, alors... Bon, déjà, ça c'est en bas. Voilà, ça c'est là. Ensuite. Les déformations s'étaient estompées. Et l'image était devenue très nette. C'était un chevalier du temple brûlant sur un bûcher, avec au-dessous une date en chiffres romains. Un chevalier des Templiers sur un bûcher et une date. Laisse-moi voir. MCCC... I-314, allez. V, c'est 1314. Incroyable. C'est incroyable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Rebonjour.
Bonjour, mon fils. Parlez-vous latin? Vous demandez. Ok. Pouvez-vous me dire ce que per disciplina meam lux videbis veut dire? Attendez voir, ce doit être... Par mes enseignements, vous verrez la lumière, je pense. Oui, c'est ce que je pensais aussi. J'ai remarqué que le vitrail de gauche semble plus moderne. Vous avez un œil aiguisé, mon fils. Le vitrail d'origine a été détruit pendant la guerre. Il était aussi vieux que l'église. Presque 14 siècles. Oh, c'est affreux. Oui, une perte terrible. L'église et les autres fenêtres ont tout de même survécu. Ok. À bientôt, au revoir. Donc, 1314. Donc là, on va abuser, du coup. Je crois. Je sais plus. Vraiment. En français, en anglais, et en 1312, le pape est excommunié. Pendant les deux années qui suivirent, un grand nombre, leur grand maître, Jacques de Molay, fut... On va aller en Espagne après. Hello, André. Bonjour, Georges. Où étiez-vous? Nicole m'a dit que vous étiez parti. Je reviens de Syrie. À la recherche des Templiers? En Syrie? C'est une longue histoire, mais j'ai trouvé la tête de taureau. Ils en parlaient dans le... Oui? C'est quoi? Une grotte secrète perchée sur une montagne. Dans la grotte, j'ai découvert une carte. In occidenta sita est in oram. L'île de Bretagne se trouve à l'ouest, au bout du monde. Étrange. Cette carte semble donner... Je vous l'ai dit, c'est une... Merci pour votre aide. Y'a pas de quoi. Bon. Si c'est pas lui, c'est certainement Nico. Donc allons à la rue Jarry. Il est où? J'ai résolu une nouvelle... Vraiment? Oui. Enfin, je pense que oui. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Quelle est la solution? 1314. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'année où Jacques de Molay a été brûlé, non? Bien sûr. La solution était cachée dans un vitrail. Lorsque j'ai utilisé la lentille, l'image s'est modifiée. Elle s'est transformée et j'ai vu le portrait d'un homme entouré de flammes. Moi, il me semble que les solutions des énigmes des Templiers sont si confuses que leurs indices. Parfois, je me demande si le manuscrit n'est pas un brillant canular. Je ne pense pas que les Templiers étaient du genre à faire des canulars. Je... Oh, Georges, il ne fallait pas... Qu'est-ce que c'est? Ceci. Un collier? Il est plutôt lourd. De l'art tribal, vrai de vrai. Super, je l'ai... Vraiment? Il me fera toujours penser à toi. Je ferais bien de continuer. Du coup, je suis paumé, je sais plus ce qu'il faut faire. Alors, 1314, du coup, j'ai rien à apprendre. Après, j'ai rien à apprendre, la poste de police, ça sert à rien. La café d'Archer de Verte non plus. Eh bien, go Espagne, ce n'est plus que là. Autant y aller, hein. Ils ont fait des musiques quand même, mais bon, c'est vraiment rien quoi. Le plus puissant G de toute l'Espagne. Genre, j'ai peur de rien, il rentre dedans comme ça. Hop là, allez, je prends. Bonjour, est-ce la demeure des deux Vasconcellos? C'est. Qui étiez-vous? Ça n'allait pas être facile. Je m'appelle George Stobart. Si, seigneur. Je me demandais si... C'est une propriété privée. Est-ce la demeure des deux Vasconcellos? Et en quoi cela vous intéresse, seigneur? Écoutez, je vais simplement parler au chef de famille. Ouais, il n'y a pas de famille. Seulement la comtesse et moi-même. Vous voulez me serrer? Non. Regardez ce mouton. Je l'ai taché de... Oui, c'est ça. Reconnaissez-vous cette... Non. Auriez-vous besoin... Non. Savez-vous ce que... Si, il y en a une. Se laissez passer, vous dit quelque... Non. Qu'est-ce que vous... Alors, c'est ça. Si je voulais vendre du matériel médical...
Parlez-moi de la comtesse. Elle ne reçoit pas de visiteurs. C'est tout. Vous ne savez même pas ce que j'ai... Elle n'a pas gagné à la loterie, non? Non, elle n'a pas gagné à la loterie. Vous auriez été plus malin. Vous auriez prétendu le contraire. Ah oui, c'est ce que vous croyez? Et ce petit malin aurait été viré encore plus vite. La comtesse n'achète pas de billets de loterie. Les comtesses, quoi. Que savez-vous des Templiers? En quoi ça vous regarde? Vous voulez de l'argent ou quoi? Tout ce que je veux, c'est jouir de votre absence. Ce gars mourrait plutôt que de me laisser voir la comtesse. Mais pourquoi? Bon, je pars. À la prochaine. Adios! Je ne suis pas étudiant en histoire de l'art, mais ce petit édifice, je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un pavillon d'été. Et vous? Oui, qu'est-ce que c'est? Vous n'aimeriez pas que des étrangers? Je pense que non. Alors, vous me comprenez. Bon, désolé. Je n'avais pas l'intention de me trimballer avec 100 mètres. Mais... Ah non, parce que ça, j'ai fait le bac plus 5, c'est pas parce que j'ai fait le jeu 50 fois. Hein. Jamais. L'eau s'est arrêtée. Ah oui? Si, ça ne l'est fait jamais. Je suis vraiment désolé. C'est triste un tuyau sans eau. Vous s'y êtes pour quelque chose? Eh bien, je suis vexé maintenant. Comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? C'est très facile, signor, très facile. Je vais vérifier ce qui se passe avec l'eau, ce qui veut dire que je m'absente. Je vous interdis formellement d'entrer dans la maison. Si vous essayez d'y pénétrer, je vous envoie les chiens. Ok, ok, Pablo. Restons sur la sauvegarde bit. L'armure devait être à ma... Je m'imaginais en armure, traînant le jardin. Mis à part l'imbécilité et l'impossible... Je pouvais distinguer le jardinier. Il fallait y aller. Il ne fallait surtout... Hé! Oh oh. Je sais, ça a l'air bizarre. Écoutez, seigneur. Tout ce que y est... Une vie sans pseudo-touriste cambrioleur. Compris? Écoutez, je veux juste... Utilisez votre salle de bain. Doubalez, vite! Bon, j'y vais. Hé, hey, vous! Je sais que vous êtes là, l'Américain. Bon, les chiens, on y va. Madre de Dios! Qui êtes-vous? Je m'appelle George Stobart. Je suis désolé de débarquer ainsi chez vous. Sortez d'ici immédiatement. Vous n'êtes pas le bienvenu. Je vous en prie, écoutez-moi juste une minute. Très bien. Allez-y, Seigneur Stobart. Il y a eu une série de meurtres. Tous sont liés à la même affaire. Enfin, l'enquête m'a mené jusqu'ici. Ici? Le monde extérieur n'a aucune prise sur cette demeure. Plus maintenant, mais 600 ans auparavant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Toute l'histoire est certainement liée aux Templiers. Les Templiers ne sont plus. Ils avaient un terrible secret qui leur a valu de tragiques ennuis. Je ne vois pas le rapport avec ma famille. Votre famille était très liée aux Templiers, n'est-ce pas? Et je crois qu'ils ont enfoui ici certains indices. Pourquoi devrais-je faire confiance à un étranger faisant éruption chez moi? Laissez-moi juste jeter un coup d'œil. Si je ne trouve rien... Vous passerez la nuit au poste de police. Muy bien. Asseyez-vous. Bien. Allez. On y va. Ce n'est...
je sais que votre famille est très liée aux Templiers, mais je ne sais pas de quelle manière. Stobart. Vous devriez employer le passé, Seigneur Stobart. Les Templiers ont cessé d'exister il y a des siècles. Et comme pour les deux Vasconcellos, la lignée s'éteint avec moi. Je suis désolé. Vous n'y êtes pour rien. Donc, tout ce qui a eu lieu il y a presque 700 ans. Alors, si les Templiers ont caché des indices, nous les retrouverons parmi des objets datant du XIVe siècle. Certainement. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit par où commencer? Des objets du XIVe. Laissez-moi réfléchir. Vous savez, la maison est assez moderne, à peine 3 siècles. Mais oui, bien sûr, le jeu d'échecs. Ce jeu d'échecs a 600 ans. Il doit valoir une fortune. En effet. Mais je ne m'en séparerai jamais. J'en ferai de même. C'est le genre de bien qu'on transmet à ses enfants. Désolé. Oh, il n'a pas tant de valeur que ça. Il manque une pièce. Je l'ai remplacée par une copie récente. Quant à l'original, c'était il y a longtemps. Personne ne sait où elle est. Non. Les enfants l'avaient quand ils furent enlevés. Enfants? Quels enfants? Soyez patient, Seigneur Stobart. Je vous avais dit que ce serait long. Puis-je examiner le jeu d'échecs? Certainement. Mais ne touchez aucune pièce. Entendu, merci. Elle est en train de gagner, je pense. De plus près, la pièce copiée se remarquait comme le nez au milieu de la figure. Il y avait quelque chose d'autre de bizarre dans le jeu. La base des pièces originales était irrégulière. Madame, Yedwa vous avez le tir qui a une. Vous, mais avez-vous livré aux chiens? Lopez, qu'est-ce que je vous ai dit au sujet de la nourriture des chiens? Mais madame... Un étranger par semaine, pas plus. Seigneur Stobart. Si vous me faites perdre mon temps, vous serez l'étranger de la semaine. Venez, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Suivez-moi. Lopez, la porte. Lopez, ouvre la porte, s'il te plaît. C'est le seul édifice de l'époque des Templiers demeuré intact. C'est beau! Qu'est-ce que c'est? Un pavillon d'été? Un mausolée, Seigneur Stobart. Oh. Suivez-moi. C'est comme un pavillon d'été, mais pour les morts... Hé, hey, Seigneur. Oui? Je ne sais pas comment vous avez gagné la confiance des madames, mais moi, vous ne mourrez pas. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous venez ou non? Non. Les morts ne m'intéressent pas. Mon Yaldin est vivant, lui. Et il reste. Voilà, ce que c'est... Vieux. C'est le caveau des Templiers des deux Vasconcellos. Il a été édifié au XIIIe siècle. Il est bien entretenu. Ce sont mes ancêtres. Et ils méritent le respect. Je viens ici au moins une fois par semaine pour honorer leur mémoire. Je peux jeter un coup d'œil? Par tous les saints. Suspendue au plafond, il y avait... Elle paraissait vraiment très vieille et... Le mausolée contenait 5 Templiers taillés dans le marbre et à taille... C'était une baguette avec un... Elle devait servir à... Une statue de la Vierge Marie. Et maintenant, un peu... En face du tombeau, il y a... En prenant la Bible, et... En m'approchant, je pouvais distinguer que le motif représentant un... Puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. Qui sont exactement ces... Mes ancêtres. 5 ancêtres templiers. Pas 5, 6. Où est le 6e? Personne ne le sait. Vous voulez dire qu'il a disparu? C'est une affaire de famille qui n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce lié à la maladie? Oui, ça l'est. J'espère... C'est d'accord pour l'instant. Vous êtes sûr que la Vierge Marie soit... Vous faites preuve d'ignorance, Seigneur. Les Templiers, vous, est un culte à la Vierge Marie. Et à propos de l'échiquier en verre... L'échiquier en verre? Il y a des bouts de verre qui manquent. Oui, il est comme cela depuis mon enfance. Les trous dans l'échiquier en verre semblent pourtant avoir été faits délibérément. Non, c'est impossible. Ils font partie d'un jeu d'échecs. Les trous doivent être destinés... Seigneur Stobart,
Vous croyez que... Cet endroit a été construit pour les Templiers, et votre jeu d'échecs est aussi ancien que les Templiers. C'est troublant, non? Je crois que ça doit être ça. C'est extraordinaire. Alors, je vais en chier parce que chaque fois je galère sur ce putain de jeu d'échecs. Les Templiers auraient-ils laissé tout ce temps passer? C'était merveilleux de voir l'émotion de la comtesse. Bien. Ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur son sort, non, Seigneur Stobart. Ce mystère a fait son temps. Il s'achève ici et maintenant. Toutes ces années de fatalité s'évanouissaient. Lopez. Lopez. Lâche ce tuyau et écoute-moi. Va me chercher mon jeu d'échecs à la maison. Oui, le vieux jeu. Dépêche-toi. Mon Dieu, je suis tout émoustillée. Pas vous? Calmez-vous, ce pourrait être une fausse piste. Oh, je ne le crois pas. C'est bon de vous voir heureuse. Heureuse? Vous savez, je crois que je le suis. En attendant, j'aimerais vraiment savoir ce qui... Je veux dire, la malédiction et... Tout a commencé du temps de la dissolution de l'ordre des Templiers. Don Carlos avait déjà quitté leur rang pour devenir un universitaire. Don Carlos, est-ce celui qui a disparu? Si. Mais il avait compté sur l'évêque de la région. Il enviait nos terres et entendait se servir de l'édit papal pour nous détruire. Quand la Sainte Inquisition arriva, Don Carlos était à l'université. Quand il revint, ce fut pour retrouver ses fidèles serviteurs assassinés et ses enfants disparus. Ils enlevèrent des enfants? Pourquoi? On ne l'a jamais su. L'évêque nia toute implication dans la disparition des enfants. Mais des témoins avaient vu ces hommes de main tuer les serviteurs chargés de leur protection. Qu'est-ce qui est arrivé à Don Carlos? Il jura qu'il retournerait ciel et terre pour retrouver ses enfants. Il revêtit son armure et prit son épée, son bouclier. Ses lacs sont destriers et disparus. On ne le revit plus jamais. Ah, Lopez, tu as les pièces? Oui, madame. Comme vous me l'avez demandé. S'il vous plaît, Seigneur Stobart, auriez-vous l'obligeance? Madame! Calme-toi, Lopez. Je suis sûr que les intentions de Seigneur Stobart sont pures. Très bien, madame. Madame, semblez vous faire confiance. Mais pas vous. Non, Seigneur. Il y a un coup d'après. Bon. C'est ça, Seigneur Stobart. Rapidement, j'assemblais les pièces et les casques. Chaque pièce du jeu d'échecs doit aller à la place qui lui est réservée. Cliquez sur une pièce d'échecs pour voir le motif à sa base. De la même manière, cliquez sur les espaces d'échecs pour révéler un motif. Chaque pièce du jeu d'échecs doit aller dans les bons trous afin que les symboles correspondent pour les déplacer. Faites glisser la pièce vers le bon équilibre. Alors, du coup, ils ont rajouté un truc en plus, que c'était pas assez chiant déjà à l'époque. Casse-toi. Ah, putain. Vraiment, c'était pas si chiant, quoi. Souris. Putain. Voilà. Non, je suis cool. Voilà, en plus, c'est-à-dire que si on se trompe, le truc, il va juste dire non. Alors, ça vaut vraiment le coup de faire chier pour ça, hein, putain.
Non, parce qu'après, il faut déplacer les pièces. Une fois les pièces rouges en place, la base des cases s'adaptait aux pièces blanches. Je n'avais plus qu'à trouver à quel endroit il fallait les placer. Bien, alors, je sais plus ce qu'il faut faire exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Les rouges sont plus nombreux que les blancs, mais les blancs peuvent quand même faire échec et mat. Attention, le roi blanc ne pas se trouver en position d'échec. Ah, voilà, c'est... Là, j'ai quoi? J'ai un fou, un roi et un cavalier. Alors, je peux faire ça, je pense. D'accord, ok. Alors, autant dire que je fais ce que je veux, finalement, bande de cons, quoi. Là, oui, j'ai la reine. Là. Alors, attendez. Parce que là, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Là, 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 là. Ah oui, c'est mieux. Alors. Je pense qu'en fait, le roi, il faut le passer là. Lui, il va là. Le roi, il va là. Et le fou. Attends, lui, il va là. Et le fou va. Là. Bingo, échec et mat. Et ouais, c'est ça la puissance intellectuelle. Et le pire, c'est que... Ouais, Seigneur Tobart, regardez. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le Saint Graal, hein? Non, Seigneur Tobart. C'est le calice de communion des deux Vasconseillos, perdu depuis bientôt 700 ans. Wow. Bon, continuons. J'ai du mal à croire que c'est vrai. Oh, allez, vous exagérez. En êtes-vous sûr? C'est votre heure de gloire, Seigneur Stobart. Sûr et certain. L'éventualité d'un piège ne me vint à l'esprit que plusieurs jours plus tard. J'avoue qu'il y a des pièges partout depuis le début, quoi. Tu le retires, alors, machin, qui te la gueule. Des Vasconcelos s'est levée. Oh non! La comtesse était enchantée d'avoir trouvé le calice perdu, mais il y a toujours l'énigme du chevalier disparu. Tu peux laisser ce mystère de côté et repartir à la recherche du secret des Templiers. En fait, j'ai promis à la comtesse de retrouver Don Carlos. Tu as quoi? Je peux tout expliquer. Tu en pinces pour une aristocrate espagnole toute décrépite? La comtesse m'a confié le calice pour que je retrouve la tombe de son ancêtre. T'es aussi cinglé qu'elle. T'avais pas assez de problèmes comme ça, Cannes et les Templiers? Tout ça fait partie du même problème. Ce calice a son importance, j'en suis sûr. Le manuscrit nous a mis sur la piste du chevalier et je dois le trouver. Et alors? Je ne sais pas encore. Mais lorsque le chevalier et le calice seront réunis, je saurai peut-être ce que je dois faire. Espérons-le, hein. C'est le calice que j'ai découvert en Espagne. Je ne comprends toujours pas pourquoi la comtesse te l'a donné. Il avait disparu pendant toutes ces années, et maintenant qu'elle l'a retrouvé, elle le donne à un parfait inconnu? Il doit lui manquer une case. La comtesse est une dame charmante, je ne te permets pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose entre toi et cette comtesse. Non, mais tu rigoles. Elle pourrait être ma grand-mère. Elle marque un point quand même. Bon, bah, cassons-nous. Je ferais bien. Alors après, je sais exactement ce qu'il faut faire, mais... Fallait à mon faucon, parler d'abord à l'Obino, etc. etc. Mais bon, comment dire? Je suis un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai travaillé. Je suis fatigué. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Certainement qu'on reprendra demain parce que j'ai très, très envie de finir ce jeu. Et bon, on a bien pris le temps. On a déjà bien fini depuis longtemps. Mais bon, entre temps, comme je vous ai expliqué au début, j'étais pas bien. J'étais malade. Tout ça, tout ça. Donc, du coup, un peu compliqué de tout faire. Hein. Voilà. Et bien voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci YouTube d'avoir regardé jusqu'au bout, si tu as été jusqu'au bout. Et puis, bah, la bise.
Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ça me paraît déjà pas trop mal. Comme solution de ça. Allez. Ciao tout le monde.